resterai plus jamais assis devant ma télé à regarder ma vie passer sans même pouvoir y jouer. Mais je sais plus comment t'aimer. Sans me sentir mal de moi. C'est l'anniversaire d'un de vos proches. Les matins de semaine à 7h10, CJSO souligne ses événements tout spéciaux. Pour inscription, rendez-vous dans la section C'est ta fête du CJSO.ca. Un élu chaque mois gagnera de beaux cadeaux. Présentation du cinéma Saint-Laurent, de Botanix Comptoir Richelieu, William G. Walter Saucissier, Azimut Diffusion et les costumières du coin. Jeudi midi à On a des choses à dire. On fait l'analyse du débat des candidats dans Richelieu. Notre chroniqueur Martin Baller, nos analystes Rénald Bergeron et Denis Marion nous donneront leur vision de ce débat, les bons et les moins bons moments. Jeudi, midi 10 à 13h, On a des choses à dire. On a des choses à dire. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel, de développement économique Pierre de Sorel, de Lucier, de Meubles André Beaulieu et du magazine Contact Affaires. Le débat électoral est une présentation du Cégep de Sorel-Tracy, de l'équipe Charbonneau-Chartrand, d'Espace Beauté et de la Maison du Multimédia. Tous les hits, tout le temps, sur ma radio. CJSO 101.7 en direct de l'auditorium Guy Bélanger du Cégep de Sorel-Tracy et avec la collaboration des Deux Rives, des communications intermédiaires, d'IPIX TV, de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy et du Cégep de Sorel-Tracy, CJSO est fier de vous présenter le débat des candidats à l'élection provinciale de la circonscription de Richelieu. Voici André Champagne. Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue à cette soirée de débat en vue de l'élection provinciale du 3 octobre prochain dans Richelieu. Je m'appelle André Champagne et j'ai le plaisir d'animer cette soirée organisée par CJSO 101,7 FM en collaboration avec le journal Les Deux Rives, Epix.tv, le cégep de Sorel-Tracy, les communications intermédiaires ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. Je m'adresserai d'abord à ceux et celles qui nous écoutent et nous regardent. Le Québec et le monde ont beaucoup changé depuis la dernière élection provinciale en octobre 2018. Il y a bien sûr eu la pandémie de COVID-19, la pénurie de main-d'œuvre et plusieurs autres enjeux dont les effets se sont fait ressentir partout, y compris chez nous, dans Pierre de Sorel. Nous en aborderons quelques-uns des plus importants lors de ce débat. La personne qui remportera le siège de Richelieu fera partie d'un Parlement qui prendra d'importantes décisions pour la suite des choses. Ce soir, les électeurs et les électrices de Richelieu, vous avez une occasion en or d'entendre les idées et les aspirations de 5 candidats en lice dans votre circonscription. Qui plus est, grâce au format préconisé pour ce débat, vous pourrez voir de quel bois se chauffent les différents candidats. Espérant que cette soirée contribuera à votre réflexion, j'ai maintenant le privilège de vous présenter les candidats dans Richelieu et de les remercier d'entrée de jeu, au nom du comité organisateur de ce débat, d'avoir accepté d'y prendre part. L'ordre dans lequel ils apparaissent devant vous sur la scène ainsi que tous les ordres de prise de parole des candidats ont été déterminés par un tirage au sort. Alors, pour une seule fois d'ici la fin de ce débat, je vous invite à applaudir nos candidats, donc gardez ça pour la fin. Dans l'ordre, du Parti libéral du Québec, M. Anthony Soriol, de la Coalition Avenir Québec, M. Jean-Bernard Raymond, du Parti québécois, M. Gabriel Arpin, de Québec solidaire, M. David Dionne, et du Parti conservateur du Québec, Mme Marie-Ève Dionne. Faites bien ça. Parlons maintenant du déroulement de la soirée. Les gens présents à l'auditorium du cégep de Sorel-Tracy, vous êtes priés de fermer vos téléphones cellulaires ou tout autre appareil et de retenir vos applaudissements pour la fin de ce débat. Quant à vous, vous cinq,
candidats, candidates, vos électeurs et vos électrices qui vous écoutent et vous regardent méritent d'entendre ce que vous avez à dire. Ils sont donc en droit de s'attendre à ce que vous fassiez ce débat de façon civilisée. Je verrai à m'en assurer. Pour nous donner tous les détails relatifs au format de ce débat d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter M. Jean-Philippe Morin, directeur de l'information au journal Les Deux Rives, qui sera le gardien du temps de ce débat. Jean-Philippe. Madame, messieurs, bonsoir. On vous a fait parvenir il y a 6 jours le déroulement du débat de ce soir. Donc, vous aurez l'occasion à 2 reprises, au début et à la fin du présent exercice, de vous adresser librement et directement à l'auditoire. Pour se préparer, les débatteurs connaissent les thèmes retenus pour ce soir, mais les questions sont demeurées secrètes jusqu'à cette seule et unique lecture qu'on s'apprête à faire. Alors, les 6 thèmes abordés ce soir seront, dans l'ordre, les transports, la santé, la COVID-19, l'économie, l'éducation et famille, ainsi que l'environnement. Dans chaque thème, il y aura une question adressée soit par André ou soit par un intervenant surprise. Pour chacune des questions, le candidat aura 1 minute pour y répondre. Après que les 5 candidats se soient prononcés sur la question, un débat de 4 minutes suivra sur le thème en question. Alors voilà, André. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Allons-y maintenant avec les déclarations d'ouverture d'une durée de 2 minutes par candidat. Pour cette déclaration, ainsi que toutes les autres prises de parole, les candidats verront M. Morin brandir un carton jaune signifiant qu'il leur reste 15 secondes. Un carton rouge signifiera que leur temps est écoulé. Tous les candidats se sont engagés à respecter le chronométrage de la soirée. Et pour ces déclarations d'ouverture, le hasard a voulu que ce soit M. Anthony Soriol, le premier. Donc, bonsoir à tous. Mon nom est Anthony Soriol et je suis le fier candidat du Parti libéral du Québec. J'aimerais tout d'abord remercier CJSO et leurs partenaires pour avoir rendu la tenue de ce débat possible. Donc, permettez-moi de saluer également M. Albert Kelfa, ancien député du Parti libéral du Québec, ici même dans le comté de Richelieu. Donc, bonjour M. Kelfa. Il me fait plaisir de me présenter. En fait, je suis étudiant. J'étudie pour être CPA après avoir terminé mon bac en administration des affaires à HEC Montréal. Et puis, après ça, je travaille. Je travaille également dans l'entreprise familiale où on produit des chevaux de vente au saut d'obstacles. Et donc, j'ai décidé de m'impliquer au parti simplement pour la bonne raison que je désire que les gens à Richelieu, dans le comté, veulent se faire entendre à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'engage à mettre à profit toute mon énergie pour soutenir les citoyennes et citoyens qui peinent à joindre les deux bouts après la hausse du coût de la vie. On le sait tous. Avec notre chef Dominique Anglade, on propose des vraies solutions à des vrais problèmes. Une baisse d'impôts, 2 000 $ dans les poches de nos aînés, 8 $ et 70 $ pour les services de garde. Ensuite, on coupe la taxe de la bienvenue pour les premiers acheteurs. Assurer un médecin de famille pour tous. Concilier économie et environnement sont à cœur de ma candidature ici dans le comté de Richelieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Soriol. Maintenant, M. Gabriel Arpin. Oui, bonjour. Moi, je me présente, Gabriel Arpin du Parti québécois. Je voulais remercier aussi tous les gens qui sont présents ce soir, qui ont pris le temps de se déplacer, les gens qui nous écoutent en ligne, les gens qui nous écoutent à la radio. Je pense que c'est important de mentionner que, peu importe votre allégeance politique, ce débat-là, à soir, est important parce que ça ne veut pas dire que la personne pour qui vous allez voter le jour de l'élection, c'est la personne qui va être élue. Donc, c'est important pour les gens de prendre le temps de connaître les idées et les valeurs qui différencient moi, de mes collègues ici présents ce soir. Parce qu'après tout, le député qui va être élu le jour des élections, il ne va pas représenter seulement les élus, il ne va pas représenter seulement les gens qui ont voté pour lui, mais aussi tous les gens de Sorel et tous les gens des MRC. Donc, c'est important que le député voie les choses de cette façon-là. Moi, personnellement, Gabriel Arpin, je me présente comme un candidat qui va être présent dans la région, puis qui veut aussi écouter les gens. Je ne veux pas dire aux gens quoi faire, je veux que les gens me disent c'est quoi leurs préoccupations, puis que je les représente à l'Assemblée nationale. J'ai la chance de me présenter pour un parti qui veut décentraliser les pouvoirs. Ça, en d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est qu'un député du Parti québécois dans la région va avoir plus de pouvoir pour répondre aux questions et mettre les projets en œuvre qui tiennent à cœur les gens de la circonscription de Richelieu. J'ai la chance, au Parti québécois, d'avoir des prédécesseurs qui ont été présents pour vous au cours des 25 dernières années avant que la CAQ gagne les élections, dernières élections. C'est dans cette idée-là que je veux me présenter puis rendre fiers les prédécesseurs que j'ai eus. Si le Parti québécois, c'est pas assez pour vous convaincre,
On a la chance ici, dans le comté, d'avoir M. Louis Plamondon, qui est probablement le député le plus présent pour ses concitoyens à travers le Canada au complet. Donc, je pense que c'est clair que si vous votez pour la souveraineté, vous votez aussi pour un député qui est présent pour votre circonscription. Merci beaucoup, M. Arpin. Maintenant, Mme Marie-Ève Dionne. Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. J'aimerais également remercier CJSO et tous ceux et celles qui ont rendu possible, dans le fond, la tenue de l'événement. Donc, je me présente, Marie-Ève Dionne, candidate du Parti conservateur dans Richelieu. Je travaille comme agente du contrôle qualité en efficacité énergétique du bâtiment. Dans le fond, dans mon travail, je travaille étroitement avec le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Et ça m'a permis, dans le fond, de réaliser la lourdeur du système. Pour moi, un gouvernement qui prend toujours plus de place, c'est pas nécessairement la solution. Je trouve que ça fait juste engorger, puis c'est lent par bout. Donc, pour vous aider à mieux comprendre c'est quoi les valeurs fondamentales d'un gouvernement conservateur dans les grandes lignes, ça se résume à un gouvernement qui prend moins de place, plus transparent, moins dépensier avec l'argent des contribuables, un gouvernement qui facilite la vie aux entrepreneurs et qui reconnaît les PME comme des créateurs de richesses. Un État qui se soucie du bien-être, de la liberté et de la qualité de vie de ses citoyens. La raison pour laquelle j'ai décidé de m'impliquer en politique est simple, c'est parce que je trouve que tout ce qui est essentiel présentement ne fonctionne plus. Le système de santé, la pénurie de main-d'œuvre, le coût de la vie qui augmente, la gestion des fonds publics, la crise du logement, en tout cas, la liste est longue, je ne les énumérerai pas tous. Donc, le Québec s'est endetté, on le sait. Puis, quand je pense aux générations futures, ben, je me dis qu'on se doit de faire quelque chose rapidement pour leur assurer un niveau de vie convenable. Donc, je pense qu'il est temps de poser des actions concrètes maintenant. Puis, j'ai bien hâte de vous démontrer comment je compte y arriver aujourd'hui, plus tard, durant le débat. Merci. Merci beaucoup, Mme Dionne. Maintenant, on écoute M. Jean-Bernard Raymond. Oui, merci André. Bonsoir tout le monde. Très heureux d'être avec vous ce soir pour participer à ce débat. Moi, à mon tour, je vais remercier les gens du Cégep de Sorel-Tracy de nous accueillir ici à l'auditorium. Aussi, remercier le Consortium des médias et la Chambre de commerce pour l'organisation du débat. Vous saluez les gens qui êtes ici ce soir, ceux qui sont à la maison aussi, qui nous écoutent. Je prends un instant pour saluer les collègues candidats, Madame la candidate. Vous féliciter, vous dire bravo pour votre implication. Je sais pertinemment ce que ça demande comme courage, surtout dans les moments qu'on vit présentement, pour décider de s'impliquer en politique, puis je vous félicite pour ça. Je dois vous avouer que vous me donnez un petit coup de vieux, par exemple, cette année. Ceci dit, je vous souhaite à tous un bon débat. C'est un débat, c'est important dans une campagne électorale. C'est un moment où vous allez être en mesure d'écouter ce que les différentes formations politiques ont à proposer. Vous faites votre choix. Ce qui est important, c'est qu'on va voter en grand nombre et je vous souhaite un bon débat, tout le monde. Merci beaucoup, M. Aymon. Et on va écouter maintenant M. David Dionne. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle David Dionne. Je suis votre candidat solidaire dans Richelieu. Tout comme mes collègues, j'aimerais remercier tout le monde naturellement pour votre présence, les gens à la maison. Vraiment, merci. Je salue Marie-Ève également puis les autres candidats. C'est important de mentionner votre contribution à la vitalité de notre démocratie. Je milite auprès de Québec solidaire depuis 10 ans déjà. Je suis cofondateur de notre association, ici dans Richelieu. J'ai à cœur notre région. Je suis né ici, j'y ai grandi et c'est ici, chez nous, avec vous, que je veux travailler. J'ai 35 ans, je suis un jeune papa, je suis musicien, j'ai œuvré dans le milieu de la restauration et maintenant, ben, j'ai le plaisir de travailler pour notre société d'État, la Société des alcools du Québec, et j'en suis très fier. Mon parcours est atypique, mais il a fait de moi un gars groundé, un gars de terrain qui travaille en équipe, qui est sensible aux différents enjeux qui nous touchent. Des enjeux en 2022, c'est pas ça qui manque. Je suis ici aujourd'hui parce que je veux mener avec vous la bataille du siècle, la bataille climatique. Nous avons pris du retard. Nous sommes maintenant à la croisée des chemins. L'heure est à l'action et à la responsabilisation. Et mes priorités pour Richelieu sont la crise du logement, le coût de la vie, notre garde-manger, notre agriculture et les soins de santé de proximité. Je veux répondre aux besoins réels de la population et non pas être un simple représentant du gouvernement. Je serai là pour vous et dans mon cas, ce ne sera pas qu'un simple slogan. Je veux bâtir avec vous le Québec de demain, celui des grands projets.
vert, rassembleur, un Québec libre qui travaille main dans la main avec les Premières Nations. Nous sommes à la remorque alors que d'autres régions ont le vent dans les voiles. Ça ne peut plus durer. Notre région a besoin de bras, a besoin d'amour, elle a besoin de solides cordes vocales pour nous représenter à l'Assemblée nationale. Et je vous présente aujourd'hui un plan ambitieux qui nous transportera en 2022. Je suis très heureux ce soir d'avoir l'occasion de vous en faire la démonstration. Je vous souhaite une bonne soirée et un très merci. Bon débat. Merci beaucoup, M. Dionne. Ça y est, la glace est brisée, je pense, de belle façon. Bravo à vous tous. C'est l'heure de faire une première pause. Au retour, on entre dans la partie débat de la soirée. Vous suivez le débat électoral provincial dans Richelieu. Vous êtes toujours à faire des choix, puis ça, c'est pas toujours facile. Eh bien, pour une fois, prenez ça relax. Pour vos besoins en immobilier, location, achat, vente et gestion, il n'y a qu'une décision à prendre et c'est la bonne pour vos intérêts. L'équipe de courtiers immobiliers Charbonneau-Chartrand, c'est votre protection dans vos transactions. Pas besoin de choisir. Un appel vous suffira. 450-494-1888. L'équipe de courtiers Charbonneau-Chartrand se spécialise dans l'art de dénicher pour vous les meilleures propriétés sur le marché. Ici Sylvain Rochard, le soir du 3 octobre, toute l'équipe de CJSO sera mobilisée pour vous faire connaître les résultats de l'élection québécoise dans la région à compter de 20 heures. J'animerai cette émission spéciale en compagnie de Rénald Bergeron et Denis Marion à l'analyse et nous aurons des reporters partout sur le terrain pour vous présenter les entrevues avec les candidats des différents partis. Le soir du 3 octobre, syntonisez CJSO pour ne rien manquer de l'élection québécoise dans la région. Nous sommes la maison du multimédia, spécialiste d'électronique et de l'informatique depuis 1963. Une entreprise entièrement sorelloise, reconnue pour la qualité de nos produits, la justesse de nos prix, ainsi que notre service après-vente. Nous avons accès à des centaines de produits électroniques et informatiques disponibles très rapidement. Vous trouverez chez la maison du multimédia des plus grandes marques. On vous invite à consulter notre large inventaire au www.maisonmultimedia.com. La maison du multimédia, 359 boulevard Poliquin à Sorel-Tracy. Saviez-vous que le collagène aide à atténuer les rides, nourrit les cheveux et renforcer aussi les ongles? Stimulez votre collagène et raffermissez votre peau grâce aux technologies innovantes d'Espace Beauté. La radiofréquence est un traitement non-invasif, naturel et très confortable. Il s'agit de la toute dernière technologie de raffermissement et de remodelage pour le visage. Elle permet de tonifier, remodeler et raffermir la peau du visage et du cou en plus d'améliorer l'apparence générale. Passez-nous voir pour plus d'informations sur nos technologies. Nous sommes ouverts du lundi au samedi, espacebeauté.ca. Le débat électoral est une présentation du Cégep de Sorel-Tracy, de l'équipe Charbonneau-Chartrand, d'Espace Beauté et de la Maison du Multimédia, CJSO 101.7. En direct à la radio et en web diffusion, CJSO vous présente le débat des candidats à l'élection provinciale de la circonscription de Richelieu. De retour à André Champagne. Nous entrons maintenant dans la portion débat de cette soirée, dont le premier thème est les transports. Ce thème s'est imposé alors que plusieurs citoyens et intervenants de la région de Sorel-Tracy sentent qu'ils ont été abandonnés par le ministère des Transports du Québec, le MTQ. Si certains travaux ont été réalisés, certains même plus tôt que prévu, ou sont en cours de réalisation, tous ont pu constater l'éclairage déficient, l'apparition d'une flore jusqu'ici insoupçonnée aux abords de l'autoroute 30, des nids de poules nombreux et dangereux, sans oublier l'épopée, la saga, pour ne pas dire la comédie, du pont Turcotte. Débutons ce débat avec une première question ouverte aux cinq candidats. La situation inacceptable décrite à l'instant est-elle, selon vous, le résultat d'une centralisation des services du ministère des Transports? Et si oui, quel est votre plan pour corriger la situation? Vous engagez-vous, par exemple, à rapatrier un centre de service du MTQ chez nous, comme plusieurs le réclament? Vous avez tous une minute pour répondre et on débute avec M. David Dionne. Alors, bon, concernant le MTQ. Le MTQ, aux dernières nouvelles, ça fait déjà très longtemps qu'il n'est plus dans la région. On m'a dit que ça faisait même 10 ans, plus que ça. C'est sûr que c'est difficile pour moi, par exemple, de me prononcer sur ces enjeux-là, compte tenu du fait que moi, les dossiers, je ne les ai pas eus dans mes mains. Je sais que ça peut vous apparaître bien évident, mais la vérité, c'est qu'on ne peut que faire des interprétations, en fait, de la situation, parce qu'on ne peut pas dire nécessairement que ça a été les dossiers les plus transparents. Est-ce qu'il y a eu, effectivement, de la négligence? Est-ce qu'on aurait pu investir davantage? Oui, tout à fait.
On peut penser qu'on en est rendu là parce que, notamment, il y a eu une pénurie de main-d'œuvre. Monsieur Aymon a fait état du fait que, notamment, il y avait eu des problèmes là, au niveau là, de la grève des ingénieurs, etc. Bon, moi, je suis un passionné d'agriculture, voir des molaines blanc-bouillon partout dans la région. Moi, ça me dérange pas, ben, je vais être franc avec vous. Mais chose certaine, c'est que ça a l'air fou quand les gens viennent dans notre région puis ils voient ça, puis ça a l'air, on a l'air merci de vivre beaucoup dans un autre... Merci, Monsieur Dion. On va maintenant entendre Monsieur Anthony Soriol. La gestion des infrastructures routières, on va se dire, il y a un problème. Et ça a été chaotique. Il ne suffit pas de promettre des nouvelles infrastructures, telles le troisième lien, avant même de réparer les infrastructures qu'on a présentement. Il faut amorcer un changement significatif à notre vision du transport dans le monde qu'on est aujourd'hui. En 2022, c'est grand temps de prendre plus en considération les enjeux d'étalement urbain. Et comme j'ai fait plusieurs rencontres dans le comté, le réseau routier est effectivement déficient selon nos citoyennes et citoyens. Donc, on a besoin de faire des interventions urgentes, et on l'a mentionné, le pont Turcotte. C'est épouvantable. Qu'est-ce qui va arriver cet hiver quand on doit faire du slalom? Ça va être beau, tout le monde. Ça va pas être très beau. Donc, avant même d'annoncer des projets d'autoroute, ce qu'on ne fera pas, il faut réaliser qu'on doit réparer les problèmes qu'on a présentement, et la construction d'un troisième lien, qui n'a d'ailleurs pas d'études, est loin d'être la priorité des Québécois de nos jours. Merci beaucoup, M. Soriol. Écoutons maintenant Mme Marie-Ève Dionne. Bonjour. Dans le fond, en matière de transport, si on fait le parallèle justement avec ce qui se passe à Québec, avec le pont Pierre-Laporte, on voit bien que beaucoup de nos infrastructures, routes, ponts, sont en fin de vie, mais qu'il n'y a pas grand-chose de fait pour les entretenir. Dans le fond, comme le pont de Québec, le pont Turcotte est en piètre état et c'est le silence radio, dans le fond, pour trouver des solutions. On n'a aucun développement non plus concernant les lampadaires sur le pont Maurice-Martel ou concernant les blocs, là, que tout le monde sait que c'est assez spécial comme situation de devoir... Il y a toujours à chaque jour, dans le fond, quelqu'un quasiment qui se prend dans ces blocs-là avec une remorque. Je trouve que ça fait pas sérieux comme solution. J'aimerais bien m'asseoir avec le ministère des Transports puis en discuter plus sérieusement. Dans le fond, pour conclure, je pense que aussi la gratuité des transports va être un enjeu dans la région de Québec. Puis si la réponse est bonne là-bas, on va pouvoir aussi l'appliquer à d'autres régions si le projet pilote est bon là-bas. Merci beaucoup. Merci, Mme Dionne. Maintenant, écoutons M. Gabriel Arpin. Mais ça tombe bien que j'en ai parlé dans mon introduction de la décentralisation parce que c'est exactement ça le point. Le point, c'est de donner plus de pouvoir aux députés, justement, pour permettre de prendre des décisions rapides et de débloquer des budgets en conséquence des priorités dans la région. Effectivement, le pont Turcotte, l'autoroute, c'est toutes des priorités qu'un député avec le Parti québécois pourrait prendre des actions plus rapides. Maintenant, je vais tomber sur une note un peu plus positive pour une des raisons pourquoi on devrait rapatrier ce genre d'urgence-là dans la région. C'est une réussite locale, la Société des transports collectifs, qui a été mise en place dernièrement puis qui est un succès au niveau des MRC puis au niveau de la région de Sorel. Donc, c'est vrai qu'il y a des initiatives locales qui peuvent être efficaces et même plus efficaces que les projets provinciaux. C'est ce genre de projets-là qu'il faut mettre de l'avant. Donc, on essaie de construire avec quelque chose de positif qu'on a déjà établi dans la région pour l'appliquer dans une autre sphère qui est le pont sur Côte et les autoroutes. Merci beaucoup, M. Arpin. Écoutons maintenant M. Jean-Bernard Raymond. Oui, merci André. Vous vous êtes tous promenés dans les routes du Québec cet été, probablement durant vos vacances, puis on peut tous constater qu'il y a un déficit majeur d'entretien de nos routes au Québec. Il y a un rattrapage majeur à faire. On s'est attaqué à ça dans les dernières années. Moi, je suis très fier, c'est des dizaines de millions de dollars qui ont été mis dans le réseau routier, dans la région, le resurfaçage du pont Maurice-Martel, les bretelles d'accès à l'autoroute, plusieurs routes dans les municipalités les rurales aussi. Maintenant, André, ce que tu as dit d'entrée de jeu, c'est vrai. Les trois premières années du mandat, je dois le dire, se sont bien déroulées. La dernière année était catastrophique. On l'a mentionné un petit peu, puis je trouve ça décevant d'avoir de le dire de cette façon-là. Les moyens de pression provoqués par la grève des ingénieurs de l'État ont retardé l'ensemble des travaux routiers partout dans le Québec. Boulevard Fizette, route 132, devait débuter avril-mai. Les travaux sont en train de se faire. Là, je vois le petit carton qui se lève. Peut-être qu'on aura plus de temps pour jaser de notre fameux pont Turcotte dans la période d'échange. Bien, justement, on va enchaîner avec une première portion de débat. Vous avez 4 minutes pour échanger sur cette question-là. On vous écoute. Oui? Je voulais juste être sûr que j'avais bien compris, M. Aymon. Donc, la raison pourquoi les routes de la région ne sont pas belles,
Puis le pont Turcotte, ça ne se règle pas, c'est à cause qu'un syndicat d'ingénieurs fait retarder les projets, donc c'est la faute des travailleurs, si le gouvernement est incapable de répondre à l'attente des citoyens, c'est bien ça que j'ai compris? Ben, c'est-à-dire, c'est une version là, que je ne prendrai pas tout à fait la même. Les ingénieurs de l'État québécois, dont du MTQ, ont exercé des moyens de pression. Ouais. Je suis obligé de dire qu'ils ont fonctionné, les moyens de pression, parce que ça a mis beaucoup de pression sur le député, sur les élus municipaux, il y en a quelques-uns avec nous ce soir, qui se font appeler, et ça a retardé l'ensemble des projets à travers le Québec. Okay. Vous savez, le MTQ marche avec des plans quinquennaux, les cédules sont prêtes, les travaux sur l'autoroute 30, le pont Turcotte, la route 132, le boulevard Fizet. Malheureusement, moi, ce que je trouve un peu décevant, c'est que la plage au Québec, pour faire des travaux routiers, est assez courte. Hein? La belle saison est courte au Québec. Là, c'est amorcé. Les ingénieurs, l'entente a été signée. Je remercie ma collègue Sonia Lebel du Conseil du Trésor. Ils sont de retour au travail. Début du mois de septembre, Gabriel, j'ai eu une rencontre avec les gens du MTQ, avec M. le maire suppléant de la région pour aborder plein de sujets, dont le pont Turcotte. Moi, je trouve ça inacceptable. C'était très gênant cet été. Les visiteurs sont venus nous voir. La procédure qui a été mise en place, c'est complètement inacceptable. On me dit au MTQ que les ingénieurs sont de retour à la table à dessin. Ils vont nous revenir avec une proposition pour faire enlever ce foutu serpentin. Puis moi, je m'engage, si je suis réélu le 3 octobre, d'exiger du MTQ plus de transparence. David en a parlé tantôt, c'est un point important. Moi, je fais confiance en l'intelligence des citoyens. Le MTQ doit mieux communiquer, il doit être plus transparent. Il doit dire aux citoyens de la région clairement quels sont les échéanciers à s'en venir, quelles sont les étapes. Puis c'est comme ça que les gens vont mieux comprendre. Oui, M. Aymon, j'aimerais ça peut-être vous relancer sur une question, c'est-à-dire qu'on a entendu parler de différentes positions sur les autoroutes, en construire des nouvelles ou pas. Le prolongement de l'autoroute 30, vous positionnez où là-dedans? Si je peux me permettre. Chez Québec solidaire, pour ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est que nous, ce qu'on veut faire, c'est miser énormément sur le transport en commun. C'est certain qu'ici, dans notre région, si on parle de Sorel, c'est sûr qu'on est enclavé. Il faut le reconnaître, on a un désavantage géographique. On parlait aux dernières élections, M. Aymon avait beaucoup parlé du pont, le fameux pont qui relierait donc Sorel à la Noraie, un projet qui malheureusement était qui a finalement été remis aux oubliettes. On n'en parle plus. Chose certaine, c'est que nous, on s'engage à tout mettre en œuvre pour favoriser justement le transport qui se fait d'intermunicipalité, finalement. Donc, c'est une de nos propositions. On s'engage à cette direction-là. Alors, c'est sûr que le prolongement de l'autoroute 30, si c'est en concordance avec notre stratégie de développement du transport structurant sur notre territoire, on va aller dans cette direction-là. André, je vais y aller, si vous permettez. L'ensemble des projets, dont le prolongement de l'autoroute 30, font présentement l'objet d'une étude sur la mobilité dans la région. C'était l'engagement électoral de 2018. C'est maintenant dans les mains de la MRC. Moi, je fais partie du comité. J'ai parlé avec M. le préfet, ça fait quelques semaines. Le contrat serait octroyé à la firme qui va réaliser l'étude. Tu sais, vous savez, dans la région, il y a une chose qui est importante. On parle d'un pont, on parle du prolongement de la 30, de la route industrielle aussi qui a été beaucoup parlée. Et c'est justement cette étude-là qui va déterminer quel est le projet le plus structurant que, comme élu, comme communauté, on devra porter et défendre? Moi, je ne suis pas un faiseur de route là, dans la vie. Est-ce que ça nous prend un pont ou une autoroute? Je vais laisser les spécialistes en mobilité, puis ensuite, bon, on va défendre le projet qui sera mis de l'avant. Vous avez 15 secondes. Oui, j'aimerais juste savoir si M. Aymon ici serait d'accord avec moi et mon collègue, parce qu'on est d'accord sur ça. Ça prend plus de financement dans le réseau de transport en commun dans la région, notamment les connexions entre les MRC et la ville. Mmh. Est-ce qu'un gouvernement caquiste élu s'engage à aussi donner plus d'argent à ces mouvements-là, dont le mouvement que j'ai mentionné en introduction au début du débat? Ouais, Gabriel, vous avez 5 secondes. Gabriel, tu as parlé de la Société Transport Collectif de Pierre de Sorel. Tu as raison, ils font un excellent boulot. Transport collectif, transport adapté, taxibus, financement du gouvernement du Québec. Moi, j'en suis très fier, puis je dis bravo aux élus de la MRC. Merci beaucoup. On s'arrête pour une pause. Au retour, sa question de santé. Vous suivez le débat électoral provincial dans Richelieu. Le cégep de Sorel-Tracy est fier de s'associer à l'exercice de la démocratie que représente un processus électoral. De par son rôle d'établissement d'éducation supérieure, il promouvoit l'engagement citoyen auprès de la communauté étudiante. Il l'encourage à participer à la définition d'enjeux importants et à faire avancer ceux-ci au moyen d'une mobilisation commune. Nous souhaitons la meilleure des chances à tous les candidats.
Bonne soirée de débat et bonne suite de campagne électorale à tous. Envie de découvrir une toute nouvelle technologie? Optez pour l'épilation au laser sans douleur grâce aux technologies innovantes d'Espace Beauté. Le Triton est sans douleur et nécessite moins de traitement. Cet appareil, utilisé tant pour les hommes que pour les femmes, est approuvé par Santé Canada. Étant propriétaire de ses propres appareils, Espace Beauté peut facilement offrir à ses clients et clientes des rendez-vous. Nos techniciennes ont plus de 15 ans d'expérience en laser. Prenez rendez-vous pour une consultation et suivez-nous sur Facebook Espace Beauté. Nous sommes ouverts du lundi au samedi, espacebeauté.ca. Ici Sylvain Rochon, la campagne électorale québécoise comporte son lot d'enjeux locaux. Synthonisez CJSO 101,7 pour entendre les propositions des candidates et des candidats dans Richelieu et les circonscriptions voisines. Suivez nos bulletins de nouvelles et nos émissions d'affaires publiques, La Tribune et On a des choses à dire. Écoutez nos analyses et donnez votre propre point de vue sur nos différentes plateformes. La campagne électorale québécoise dans la région, on la suit sur CJSO 101,7. Nous sommes la maison du multimédia, spécialiste d'électronique et de l'informatique depuis 1963. Une entreprise entièrement sorelloise, reconnue pour la qualité de nos produits, la justesse de nos prix, ainsi que notre service après-vente. Nous avons accès à des centaines de produits électroniques et informatiques disponibles très rapidement. Vous trouverez chez la maison du multimédia des plus grandes marques. On vous invite à consulter notre large inventaire au www.maisonmultimedia.com. La maison du multimédia, 359 boulevard Poliquin à Sorel-Tracy. Le débat électoral est une présentation du Cégep de Sorel-Tracy, de l'équipe Charbonneau-Chartrand, d'Espace Beauté et de la Maison du Multimédia. Que des hits, d'heure en heure, 7 sur 7. CJSO 101.7. CJSO, en collaboration avec Les Deux Rives, les communications intermédiaires, IPIX TV, la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy et de Cégep de Sorel-Tracy vous présente le débat des candidats à l'élection provinciale de la circonscription de Richelieu. De retour à André Champagne. Merci beaucoup. Oui, on est de retour au Cégep de Sorel-Tracy. On espère que vous appréciez le débat comme on l'apprécie ici et comme nos candidats semblent l'apprécier. Nous sommes de retour avec un deuxième thème très important pour les citoyens de notre région, c'est-à-dire la santé. Le réseau de la santé est un très gros paquebot. Certains le qualifient même de mammouth. Il faut dire que l'éléphant de ces réformes a souvent accouché d'une souris. Les lacunes du réseau sont connues, souvent depuis longtemps. La tragédie des CHSLD au début de la pandémie n'en est que la plus récente démonstration. Nous y reviendrons. Dans Richelieu, ces derniers mois, les médias locaux ont fait état de bris de service, de femmes transportées à l'extérieur pour aller donner naissance à leur bébé. Bronchoscope refusé par le gouvernement, urgence de l'Hôtel-Dieu, souvent parmi les plus surpeuplés, cris du cœur de médecins et d'élus municipaux. Depuis des années, là encore, les citoyens de la région de Sorel-Tracy ont l'impression d'être les victimes de la centralisation. Notre question pour vous aujourd'hui, une fois élu, que vous engagez-vous à faire afin de corriger cette situation? On débute avec Mme Marie-Ève Dionne. Nous, dans le fond, c'est certain, je veux décentraliser le système, ça c'est certain. On entend beaucoup dire ce mot-là, mais je trouve que souvent les bottines ne suivent pas les babines, comme on dit. Donc, nous, on veut vraiment prendre le taureau par les cornes, puis réformer le système de santé, puis également additionner la contribution du privé, mais pour faire de la compétition, dans le fond, au monopole public qui fournit pas. Mais sans que ça coûte plus cher, là, tu sais, ça veut pas, ce serait la carte soleil qui paierait si le délai est déraisonnable, dans le fond, au public. Donc, ça coûterait pas plus cher, puis ça ferait de la compétition, puis toute compétition, ça force à être meilleur, puis à se surpasser dans la vie, exactement. Puis, on veut aussi changer le mode de financement des hôpitaux pour que l'argent suive le patient. Donc, ce serait une bonne nouvelle financièrement pour un directeur d'hôpital de voir arriver des patients consulter son établissement. Merci beaucoup, Mme Dionne. Écoutons maintenant M. Gabriel Arpin. Juste sur un bref retour sur ce que ma collègue conservatrice a pu dire, il y a une différence entre décentralisation puis privatisation. Je pense que la privatisation, c'est important de le mentionner. C'est comme ça que les États-Unis fonctionnent en ce moment, puis on ne peut pas dire que c'est un modèle à suivre. Maintenant, ce que le Parti québécois offre, ce n'est pas de mettre de l'argent dans le béton ou d'ouvrir des nouvelles infrastructures qui vont coûter plusieurs millions, voire milliards de dollars. C'est de réinvestir de l'argent dans les infrastructures qui existent déjà présentement. Donc, aller chercher l'argent qu'on dispose pour aller
sauver notre système, les hôpitaux qu'on a actuellement, et sauver les CHSLD, sauver les CLSC, donc mettre l'argent où les gens en ont besoin immédiatement. Parce que ce n'est pas construire un hôpital qui va être ouvert dans 5 ans que ça va aider les gens dans l'actualité. On veut aussi aider les gens qui offrent des soins à la maison pour un conjoint, un frère, une sœur ou un parent, comme les aider à aider leurs proches. Donc, au Parti québécois, on veut agir dans la proximité et dans l'immédiat. Merci beaucoup, M. Harpin. Écoutons maintenant M. Anthony Soriol. Je vais commencer par dire que les citoyens du comté de Richelieu, tout comme tous les Québécois, ont droit à avoir un médecin de famille. Et ça commence là, les soins de première ligne qui sont plus souvent qu'autrement inaccessibles. J'aime comment la CAQ, en 2018, a promis un médecin de famille par Québécois. Et on s'est ramassé, à cette époque, on avait 400 000 Québécois sur la liste d'attente pour un médecin de famille. Et maintenant, on est rendu à près de 1 million de personnes sur la liste d'attente. Donc, non seulement on a plus d'attente pour un médecin de famille, on a également 3 heures de plus en urgence, on a plus d'attente en chirurgie. Fait que décidément, il faut faire des changements. Il faut assurer une réelle prise en charge à long terme, pas seulement au moyen de plages de 100 rendez-vous qu'on a présentement, dépourvus d'ailleurs de suivi. Je suis fier de dire qu'au Parti libéral, on s'engage à offrir un médecin de famille à chaque Québécois, malgré que c'est un gros challenge, excusez-moi, il ne faut pas baisser les bras parce que plus d'un million de personnes attendent un médecin de famille. Merci beaucoup, M. Soriol. Écoutons maintenant M. Jean-Bernard Raymond. Merci, André. C'est un peu ironique là, que je prenne la parole tout de suite après Anthony. La réforme, la centralisation du système de santé, ce qu'on appelle familièrement la réforme Barrette, a été très dommageable pour le système de la santé, particulièrement ici dans la région. Moi, je l'ai constaté à mon arrivée en poste en 2018. La centralisation était à son meilleur. On a engagé une certaine forme de décentralisation, des petits gestes qui commencent tranquillement à porter fruit. Je vous parle, par exemple, d'une direction adjointe qui est maintenant ici en permanence à l'hôpital Hôtel-Dieu. À mon arrivée en poste, le conseil d'administration, sur 18 administrateurs du CI3S, il y avait 0 personne de la région. J'ai demandé expressément la liste au CI3S. Ça a été très long de l'avoir. Puis je me suis engagé, en parlant avec le ministre de la Santé, à chaque fois qu'il y a un poste qui s'ouvre dans le conseil d'administration, de parler au petit gars de Sorel. On en a du monde ici qui sont capables de s'impliquer. On est maintenant rendu à 3 personnes. Donc, quand un poste se libère, on devrait éventuellement se rendre jusqu'à 6. Maintenant, les médecins de famille, c'est un bon point. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Aymon. Vous aurez 4 belles minutes pour continuer. Voici maintenant M. David Dionne. Alors, les gens le savent, ici dans la région, on n'a même pas de clinique sans rendez-vous. C'est pathétique. Ça engorge nos urgences. Je l'ai vécu pas plus tard que la semaine dernière avec mon petit garçon qui avait besoin d'avoir des soins. C'est important de miser sur la prévention. C'est un de nos axes. On veut travailler à la restructuration de nos CLSC. C'est un joyau national. Il faut les revaloriser. Il faut ramener les soins de proximité dans notre région. C'est urgent. Ce qu'on veut, c'est miser sur l'interdisciplinarité. Ça veut dire qu'on veut pas que ça tourne, que les soins de santé passent toujours par nos médecins. Il y a plein de gens hyper compétents qui sont là pour donc assurer cette première ligne en santé. C'est certain que les conditions de travail de nos infirmières en ce moment font en sorte qu'elles migrent vers le privé. On perd donc cette main-d'œuvre qui est essentielle au bon fonctionnement notre système de santé. Merci beaucoup, M. Dionne. On a 4 minutes pour échanger là-dessus. Madame Dionne, vous n'avez pas aimé ça. Vous n'avez pas aimé ça, faire dire qu'on s'en allait comme aux États-Unis, je pense. Oui, non, c'est ça. On n'est pas basé le modèle comme sur le modèle des États-Unis. Dans le fond, je voulais reprendre M. Harpin là-dessus. C'est bien important. On se base sur les modèles comme la France, la Suisse, l'Allemagne, là où les systèmes de santé sont les meilleurs au monde. En fait, c'est que quand le délai n'est pas raisonnable au public, ben on peut aller au privé puis c'est couvert. Donc, c'est pas vrai que ça coûte plus cher. Aux gens. Puis, je voulais aussi ajouter que pour la pénurie de main-d'œuvre, nous, on veut former plus d'infirmières cliniciennes spécialisées, dans le fond, pour aider en première ligne là, les médecins. Puis, on veut aussi reconnaître plus de diplômes étrangers avec une mise à niveau là, pour qu'ils rencontrent nos critères également. Merci. OK. Je ne voulais pas te couper la parole. Je vais te la laisser tout de suite après.
Moi, mon point que je voulais apporter, puis ça peut s'adresser aussi à M. Aymon avec le projet de la CAQ de faire une clinique privée, un hôpital privé à Montréal puis à Québec, c'est que ces hôpitaux-là privés vont être financés avec l'argent public. C'est pas un peu contradictoire comme type de projet, première question. Puis deuxième question, on a déjà une pénurie de médecins. On sait déjà que les médecins ont tendance à aller au privé parce que, justement, là, c'est là qu'il y a le plus d'argent. Donc, est-ce que c'est pas un peu contradictoire comme solution d'attirer encore plus de médecins au privé pour laisser le système public avec encore moins de médecins? Non, ça fait juste créer de la compétition, puis c'est sain. Dans le fond, ça force les autres à se surpasser. Moi, je pense que c'est ça l'idée de créer de la compétition dans tous les domaines, en fait. Je vais laisser M. Dionne répondre. L'incursion du privé dans notre système de santé, c'est une catastrophe. Je passe pas par mille chemins, là. Avec la CAQ et avec le Parti conservateur, c'est blanc-bonnet-bonnet-blanc. Bonnet, si vous vous indignez du fait qu'il y ait des femmes enceintes qui doivent aller accoucher à l'extérieur, attendez de voir ce que ça va faire quand on va devoir aller à l'extérieur pour aller se faire soigner. Le privé, ça amène la dérégionalisation des soins de santé, puis il faut dire, il faut le reconnaître, il coûte 40 % plus cher à l'État. Là, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on doit engager là, des infirmières, on passe par des agences qui nous coûtent ultra cher, ça coûte trois fois plus cher en fait d'engager des gens qui passent par des agences. Ce sont du personnel soignant qui ont migré vers le privé puis qui retournent dans notre système public. Ça coûte une fortune, c'est gênant. Les gens, ils n'ont pas accès aux soins présentement. Donc, moi, j'ai beaucoup plus peur de ne pas avoir la chance de me faire soigner que d'essayer une réforme puis d'essayer quelque chose de différent. On fait la même chose depuis 40 ans. Je pense qu'il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Si le privé, ça marchait, on le saurait. Je pense, André, que c'est important de mentionner que présentement, au Québec, là, il y a plus de 20 % des soins de santé qui sont effectués dans le privé. On cohabite là, quotidiennement avec le secteur privé. Ils nous ont donné un coup de main dans la gestion de la pandémie pour les listes d'attente en chirurgie, entre autres. Moi, j'ai beaucoup confiance en Christian Dubé, un gestionnaire de haut niveau qui a entrepris tranquillement une reconstruction du système de santé, puis qui va poursuivre si les Québécois nous font confiance. Là, il faut être prudent. Il est hors de question d'enlever ce qu'on a localement. L'Hôtel-Dieu va rester en place. Moi, je suis très fier, là, pour parler un petit peu des quatre dernières années, plusieurs projets majeurs de modernisation à l'Hôtel-Dieu de Sorel, un appareil IRM de 6 millions de dollars, un appareil de résonance par imagerie magnétique qui était destiné à s'en aller à Longueuil, je tiens à le dire. J'ai essuyé deux refus de l'appareil gouvernemental avant d'être en mesure. Avec mon équipe, on a travaillé très fort pour l'avoir ici. Des gens d'affaires, des médecins spécialistes m'ont organisé un dîner surprise, André, pour me remercier pour l'acquisition de l'appareil IRM. Alors, on va continuer à travailler en ce sens-là pour les quatre prochaines années, mais il y a beaucoup de travail. Voilà, M. Soriol qui ne s'est pas exprimé là-dessus. Excusez-moi, M. Aymon, j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez prononcer les mots « je suis fier » quand ce qu'on a vécu avec la pandémie, ce qu'on a vécu avec justement la femme qui a dû être transportée à l'extérieur de l'hôpital pour donner naissance. Vous chialez sur la réforme Barrette. Oui, je suis d'accord, c'était pas parfait. À l'époque, on avait besoin de changer quelque chose comme on essaye souvent de changer quelque chose dans le système Merci de beaucoup. Santé. Merci beaucoup, M. Soriol. On s'arrête pour une pause. Au retour, un sujet qui s'invite pour la toute première fois dans un débat provincial, la pandémie de COVID-19, sa gestion et ses impacts. Vous suivez le débat électoral entre les candidats de Richelieu en vue de l'élection du 3 octobre prochain. Ici Sylvain Rochon, le soir du 3 octobre, toute l'équipe de CJSO sera mobilisée pour vous faire connaître les résultats de l'élection québécoise dans la région à compter de 20 heures. J'animerai cette émission spéciale en compagnie de Rénald Bergeron et Denis Marion à l'analyse et nous aurons des reporters partout sur le terrain pour vous présenter les entrevues avec les candidats des différents partis. Le soir du 3 octobre, syntonisez CJSO pour ne rien manquer de l'élection québécoise dans la région. Vous êtes toujours à faire des choix, puis ça, c'est pas toujours facile. Eh bien, pour une fois, prenez ça relax. Pour vos besoins en immobilier, location, achat, vente et gestion, il n'y a qu'une décision à prendre et c'est la bonne pour vos intérêts. L'équipe de courtiers immobiliers Charbonneau-Chartrand, c'est votre protection dans vos transactions. Pas besoin de choisir. Un appel vous suffira. 450-494-1888. L'équipe de courtiers Charbonneau-Chartrand se spécialise dans l'art de dénicher pour vous les meilleures propriétés sur le marché. Envie de découvrir une toute nouvelle technologie? Optez pour l'épilation au laser sans douleur grâce aux technologies innovantes d'Espace Beauté. Le Triton est sans douleur et nécessite moins de traitement. Cet appareil, utilisé tant pour les hommes que pour les femmes, est approuvé par Santé Canada. Étant propriétaire de ses propres appareils, Espace Beauté peut facilement offrir à ses clients et clientes des rendez-vous.
Nos techniciennes ont plus de 15 ans d'expérience en laser. Prenez rendez-vous pour une consultation et suivez-nous sur Facebook Espace Beauté. Nous sommes ouverts du lundi au samedi, espacebeauté.ca. Le cégep de Sorel-Tracy est fier de s'associer à l'exercice de la démocratie que représente un processus électoral. De par son rôle d'établissement d'éducation supérieure, il promouvoit l'engagement citoyen auprès de la communauté étudiante, il l'encourage à participer à la définition d'enjeux importants et à faire avancer ceux-ci au moyen d'une mobilisation commune. Nous souhaitons la meilleure des chances à tous les candidats. Bonne soirée de débat et bonne suite de campagne électorale à tous. Le débat électoral est une présentation du Cégep de Sorel-Tracy, de l'équipe Charbonneau-Chartrand, d'Espace Beauté et de la Maison du Multimédia. Météo, CJSO. Nuageux avec 30 % de possibilité d'averse, un minimum de 10 degrés. Alternance de soleil et de nuages mercredi, un maximum de 18. Retour des averses ce jeudi avec un maximum de 17. Et du soleil pour vendredi et pour samedi, les maximums de 14 et de 18 degrés. De retour au débat des candidats à l'élection provinciale de la circonscription de Richelieu. Voici André Champagne. Ouais, exactement. On est de retour au cégep de Sorel-Tracy avec la suite de notre soirée de débat. On est de retour avec un troisième thème. Je l'ai dit, pour la toute première fois dans un débat provincial, on va parler de la pandémie de COVID-19. D'entrée de jeu, ce soir, j'ai dit que le monde avait beaucoup changé depuis 2018. Une pandémie a causé plus de 6,5 millions de décès sur la planète, plus de 16 000 chez nous au Québec, en plus de ralentir considérablement l'économie. Ce fut notamment un chapitre désolant dans nos CHSLD, mais aussi pour les finances du gouvernement. Lors de la présentation de son budget 2020-2021, le 10 mars 2020, le ministre des Finances, Éric Girard, faisait fi de la pandémie, connue ailleurs dans le monde depuis 4 mois, et qui commençait à faire des ravages au Québec. Il prévoyait même terminer l'exercice financier avec un surplus budgétaire de 2,7 milliards. Le lendemain, l'épidémie de COVID-19 était déclarée pandémie, et à peine 3 jours plus tard, François Legault déclenchait l'urgence sanitaire et la paralysie de plusieurs secteurs de l'économie. Notre question pour vous sur ce sujet, comment jugez-vous la gestion de la crise par le gouvernement? Et quelle gestion feriez-vous d'une 8e vague éventuellement dramatique ou encore d'une nouvelle pandémie? Vous avez 1 minute à commencer par M. Anthony Sauriol. Bon. La gestion de la pandémie, selon le Parti libéral et selon plusieurs partis en fait, par la CAQ, a été chaotique. Il y avait un manque de transparence incroyable quant aux avis de la santé publique. On n'avait aucune idée de ce que la santé publique recommandait. Donc, décidément, un manque de transparence évident. Et on ne savait plus trop si c'était une question de santé publique ou si c'était une question de politique. Donc, déjà là, ben juste fermer notre économie à tour de bras sans nous dire la raison, c'est dysfonctionnel. Pour éviter de revivre de telles affaires, contrairement à ce que la CAQ a fait, c'est-à-dire de fermer notre économie et ruiner notre économie, on va déclencher un système au nom de COVID-19 qui va être un groupe d'experts qui va être indépendant pour commencer et qui va nous dire les meilleures solutions à entreprendre pour la santé publique versus nous cacher les faits et finalement ruiner notre économie québécoise. Merci beaucoup, M. Sauriol. Écoutons maintenant M. Gabriel Arpin. Bon, je pense que, premièrement, c'est important de rappeler que la gestion de la pandémie, c'est avant tout un enjeu provincial, puis c'est difficile pour un député dans une région d'avoir un impact sur comment la pandémie va être gérée. Moi, j'aimerais ça ramener le débat sur la COVID-19 sur une gestion régionale. Puis l'aspect que j'aimerais apporter, c'est le délaissement des entreprises locales. Au courant de la pandémie, il y a plein de petites entreprises locales que je connais personnellement, où je vais chaque semaine ou chaque mois magasiner, qui ont dû fermer. Il y en a même qui ont dû fermer pour de bon. On a délaissé ces entreprises locales-là pour laisser Walmart, qui est une multinationale américaine, faire encore plus de profits. Je pense que si on est fier de nos entreprises locales en région, il faut faire quelque chose pour leur permettre de rester ouverts en temps de pandémie, puis encourager les gens à aller magasiner au local. Ce n'est pas en allant dépenser pour enrichir une multinationale américaine qu'on aide les Québécois. Puis au niveau régional, c'est ce que je m'engage à faire s'il y a une prochaine pandémie. Merci beaucoup, M. Arpin. On écoute maintenant M. Jean-Bernard Raymond. Oui, merci, André. Je voudrais débuter en remerciant les gens de la région
leur exprimer ma fierté. C'est une crise qui n'a pas été facile, qu'on a tous traversée ensemble. Et vous avez été ici, vous avez participé à l'effort vaccinal d'une manière remarquable. Moi, ça m'a rempli de fierté. À chaque semaine, dans mes rencontres hebdomadaires avec Dr. Julie Lozier de la Santé publique de la Montérégie, la région était toujours numéro un en ce qui a trait au pourcentage de vaccination. Alors, je vous en remercie encore. Maintenant, pour parler de la gestion de la pandémie, tu sais, faut être prudent, André. Moi, j'ai l'impression là, qu'on est là ce soir, un mardi soir, à analyser la game de hockey de samedi dernier. Tu sais, c'est facile à dire après, là. Alors, moi, j'aurais mis tel trio, j'aurais changé l'autre trio. Et puis, moi, je suis très fier du premier ministre Legault, de M. Dubé, de la santé publique. Ça n'a pas été facile, mais on a passé ensemble au travers. Merci beaucoup, M. Aymon. Écoutons maintenant M. David Dionne. On n'était pas prêt à affronter cette crise-là, malgré les avertissements et les modélisations faites par les scientifiques. On savait, en fait, là, depuis longtemps qu'effectivement, un coronavirus, en fait, un virus pulmonaire qui allait probablement se pointer le bout du nez. Et ça, avec les changements climatiques, mais naturellement, ça va exacerber cette réalité-là. C'est une première pandémie, c'est un premier test vraiment pour notre système de santé qui n'a pas répondu. C'est un échec, on s'entend là-dessus. On nous a dit que ça allait bien aller, mais ça ne s'est pas super bien passé, finalement. Le problème, pour moi, en ce qui a trait à la façon dont ça a été géré, cette pandémie-là, c'est le moment où est-ce qu'on a assisté à une dérive autoritaire qui a mené, en fait, vers la perte de confiance à l'égard de notre gouvernement et du système. Ça l'a fait gronder, ça l'a mené, ultimement, à faire perdre, justement, confiance. Les gens ont perdu confiance en notre système à cause de ça. Désolé pour cette formulation boboche, mais... C'est un sujet qui me touche beaucoup. Merci beaucoup, M. Dionne. On écoute maintenant Mme Marie-Ève Dionne. Dans le fond, je suis un peu d'accord avec mon collègue là-dessus. On pense qu'assurer une indépendance totale entre la santé publique et le gouvernement, donc dans le fond, pour que le titre de sous-ministre puisse pas là, être accordé au directeur national de la santé publique, on pense que ça serait de s'assurer que les décisions soient purement pour la santé et non politique en même temps. Donc, ça, c'est une des choses qu'on veut s'assurer si on est au pouvoir. Puis, dans le fond, la pandémie aussi, la cause première du confinement, c'est que notre système de santé fonctionne pas. Donc, c'est comme pour le protéger un peu qu'on a été confiné longtemps. Donc, nous, c'est pour ça qu'on propose une vraie réforme pour qu'on puisse, là, si on a d'autres pandémies, mieux y faire face, en fait. Merci beaucoup, Mme Dionne. Vous avez 4 minutes. C'est vrai que ça peut avoir l'air d'un match de hockey qui s'est passé il y a longtemps, mais en même temps, on s'en va en prolongation, on dirait. Oui, tu as raison. Si je peux me permettre, juste pour répondre à un commentaire d'Anthony, faut être prudent là, quand on parle de l'aide aux entreprises de la région. Moi, je viens du milieu des affaires. Ça a été très difficile. J'ai trouvé ça très difficile pour nos entrepreneurs, particulièrement nos restaurateurs dans le coin. Dans les gradins, on a les gens de développement économique, Pierre de Sorel, qui sont le bras droit régional d'Investissement Québec et qui ont été en charge de gérer les aides gouvernementales disponibles pour les entreprises de la région. Là, j'ai pas les chiffres avec moi, les gars, je veux pas dire n'importe quoi. C'est au-delà de 1,8 million de dollars qui a été octroyé aux entreprises de la région. L'aide a été bien reçue. Je suis pas en train de dire que c'était facile, c'était très difficile pour les entrepreneurs. Par contre, ils ont pu bénéficier du soutien de la population. Hein, on s'est tous tournés d'une manière massive vers l'achat local. On a encouragé nos restaurateurs. On est tous devenus des adeptes de take-out. En tout cas, dans mon cas, on se faisait un devoir de les encourager à tour de rôle. C'est un moment pas facile, mais notre économie s'en est bien tirée. Notre économie performe mieux que nos voisins en Ontario et a mieux performé que les États-Unis durant la pandémie et dans la reprise économique. Tout n'est pas parfait, mais on s'en tient bien. Je serais curieux de savoir si vous aviez été au pouvoir, peut-être pour ceux et celles qui réclamaient plus de liberté, moins de contrôle, est-ce que vous avez réfléchi à ce que ça aurait donné comme résultat? C'est plus de transparence, dans le fond, qu'on exige. C'est pas de dire plus personne met un masque s'il y a des gens en danger. Là, dans le fond, on n'est pas fous non plus. Là. Le but, c'est, dans le fond, d'écouter les gens plus. Il y en a qui l'ont vécu plus difficilement aussi d'être isolés longtemps, dont les enfants. Là, ils ont des problèmes de santé majeurs. Je pense qu'il y a des façons plus humaines
de gérer une pandémie que ce qu'on a vécu les deux dernières années. J'aimerais continuer sur l'autre idée de Mme Dionne. Ce que je trouve qui est très important, c'est qu'il ne faut pas seulement penser à l'économie, mais il faut penser à la santé mentale de nos jeunes et des, peu importe l'âge. La santé mentale a été un enjeu extrêmement difficile pendant cette pandémie-là. Oui, on a eu, évidemment, c'était purement de l'improvisation et c'était du jamais vu, mais la transparence, ça aurait été génial. Et nous, ce qu'on offre au gouvernement libéral, c'est justement de mettre en place un programme public de psychothérapie pour assurer un accès universel pour que les gens puissent parler. On a 20 000 personnes sur la liste d'attente pour pouvoir consulter de l'aide psychothérapeute. Et ça, c'est inacceptable. Les jeunes ont besoin, ou les plus âgés, peu importe, on a tous besoin de parler à un moment donné. Il ne faut pas attendre qu'on soit au bout pour donner de l'aide à quelqu'un. En ce sens-là, Québec solidaire, quand on se base justement sur la façon dont la santé publique, finalement, on le voit, elle a été muselée par le gouvernement. Lorsque la santé publique s'objectait au fameux couvre-feu, je me questionne encore à savoir pourquoi le gouvernement a quand même été de l'avant avec ça. Le moment, tu sais, on parlait des restaurateurs tout à l'heure, moi j'ai travaillé jusqu'à tout récemment au Fougas. On l'a eu vraiment pas facile. On était durement touchés par la pandémie, puis je vous garantis que le niveau de frustration, d'incompréhension, il était à son plus haut. Les fermetures inopinées, c'était pas toujours cohérent, il y avait des messages contradictoires, hein, on l'a tout vécu ça, cette période qu'on fait, voyons, c'est ça ou c'est pas ça, puis on s'assassine entre nous autres, tu sais. C'est ça. Ce qu'on veut faire, nous, chez Québec solidaire, c'est d'avoir une santé publique qui soit indépendante. Donc, qui ne pourrait être muselée par les gouvernements parce qu'on veut faire en sorte que la santé publique se mette vraiment au service des citoyens et des gens sur le territoire. Merci beaucoup. On s'arrête pour une pause. Au retour, sur la question d'économie. Vous suivez le débat électoral provincial dans Richelieu. Nous sommes la maison du multimédia, spécialiste d'électronique et de l'informatique depuis 1963. Une entreprise entièrement sorelloise, reconnue pour la qualité de nos produits, la justesse de nos prix, ainsi que pour notre service après-vente. C'est pourquoi vous trouverez chez la maison du multimédia les plus grandes marques. Des conseillers d'expérience sauront vous guider dans les nouvelles technologies électroniques et informatiques avec attention et selon vos besoins. On vous invite à consulter nos rabais au www.maisonmultimedia.com. La maison du multimédia, 359 Boulevard Poliquin à Sorel-Tracy. Saviez-vous que le collagène aide à atténuer les rides, nourrit les cheveux et renforcer aussi les ongles? Stimulez votre collagène et raffermissez votre peau grâce aux technologies innovantes d'Espace Beauté. La radiofréquence est un traitement non-invasif, naturel et très confortable. Il s'agit de la toute dernière technologie de raffermissement et de remodelage pour le visage. Elle permet de tonifier, remodeler et raffermir la peau du visage et du cou, en plus d'améliorer l'apparence générale. Passez nous voir pour plus d'informations sur nos technologies. Nous sommes ouvert du lundi au samedi, espacebeauté.ca. Ici Sylvain Rochon, la campagne électorale québécoise comporte son lot d'enjeux locaux. Syntonisez CJSO 101,7 pour entendre les propositions des candidates et des candidats dans Richelieu et les circonscriptions voisines. Suivez nos bulletins de nouvelles et nos émissions d'affaires publiques, la tribune et on a des choses à dire. Écoutez nos analyses et donnez votre propre point de vue sur nos différentes plateformes. La campagne électorale québécoise dans la région, on la suit sur CJSO 101,7. Le cégep de Sorel-Tracy est fier de s'associer à l'exercice de la démocratie que représente un processus électoral. De par son rôle d'établissement d'éducation supérieure, il promouvoit l'engagement citoyen auprès de la communauté étudiante, il l'encourage à participer à la définition d'enjeux importants et à faire avancer ceux-ci au moyen d'une mobilisation commune. Nous souhaitons la meilleure des chances à tous les candidats. Bonne soirée de débat et bonne suite de campagne électorale à tous. Le débat électoral est une présentation du Cégep de Sorel-Tracy, de l'équipe Charbonneau-Chartrand, d'Espace Beauté et de la Maison du Multimédia. La radio des hits, CJSO 101.7. En direct à la radio et en web diffusion, CJSO vous présente le débat des candidats à l'élection provinciale de la circonscription de Richelieu. De retour à André Champagne. On est de retour au cégep de Sorel-Tracy pour la suite de ce débat. Calmez-vous, mesdames et messieurs. Alors, l'économie est toujours un des sujets les plus importants lors de nos débats politiques. Cette fois-ci, peut-être plus que jamais, notamment en raison de l'inflation très importante que l'on vit. Les chiffres font peur.
Selon le portrait du marché du travail de la MRC de Pierre de Sorel 2018, réalisé par la Direction régionale de Services Québec, la proportion des travailleurs les plus âgés observés dans Pierre de Sorel, donc nos 55 à 64 ans, est supérieure à celle de l'ensemble de la Montérégie, de même qu'à celle du Québec. La pénurie de main-d'œuvre frappe très fort dans Richelieu, on le sait tous. Pour vous poser la question de ce soir portant sur l'économie, voici des gens qui emploient environ 200 personnes dans notre région et qui en auraient besoin de plusieurs autres. Pour les trois derniers blocs de notre soirée, ce sont des questions d'intervenants de la région que vous allez entendre. Et on y va d'abord en ce qui a trait à l'économie. Bonjour, je me présente, Dany Grenier, propriétaire des Primontines de la région de Sorel-Tracy. Moi, c'est Annick Richer. Je suis la conjointe de Dany, donc la propriétaire aussi des Primontines de la région. Depuis près de 20 ans, c'est nous autres qui administrent les Primontines de la région. Et on a une grosse question pour vous. Donc, on se demandait, puisque depuis environ 3 ans, on a un gros problème de main-d'œuvre. On a dû, comme par exemple, fermer nos restaurants complètement, nos 5 restaurants la nuit, il y a environ de ça un an. Et puis, ici, en septembre, on a dû encore une fois réduire nos heures d'ouverture à 21h par manque de main-d'œuvre. D'ici environ 2 semaines, on va devoir encore une fois diminuer nos heures d'ouverture, probablement fermer nos salles à manger. Donc, on se demandait... Quelle solution pensez-vous apporter? Je sais qu'il y a plusieurs solutions. Les travailleurs étrangers peuvent venir nous aider. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Est-ce que la procédure va être plus facile? Bref, nous, on a besoin d'aide. On a besoin que vous interveniez dans notre milieu parce que le besoin est vraiment criant. C'est assez clair, hein? Alors, merci beaucoup à Dany Grenier et Annick Richer. Pour répondre à cette question, on embarque dans le gros stock. Voici d'abord M. David Dionne. Alors, je tiens à les remercier pour cette question-là. Je tiens à vous dire que je suis très sensible à cette dernière parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je suis un travailleur de restauration. J'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle à travailler dans ce milieu-là. Alors, je suis absolument sensible à ces enjeux-là. Bien avant la pandémie, en fait, on parlait déjà de pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la restauration. C'est pas nouveau. J'ai envie de vous dire une chose. J'ai envie de vous dire que les gens aujourd'hui, nos jeunes, nos travailleurs, ont des attentes à l'égard de leur travail et de leurs employeurs. Ils veulent avoir de meilleures conditions. Ils veulent avoir du temps pour passer avec leur famille, avec les amis. C'est certain que je pense qu'il faut déjà donner la possibilité à ces gens-là qui travaillent d'avoir de la flexibilité au niveau des horaires, d'avoir de bons salaires. C'est la raison pour laquelle, notamment, nous, on veut augmenter le salaire minimum à 18 $ de l'heure parce que ça presse, il faut niveler vers le haut, il faut permettre à ces gens-là de pouvoir avoir un meilleur pouvoir d'achat puis de vivre plus aisément également parce qu'ils sont trop proches toujours de la précarité. Merci beaucoup, M. Dionne. Écoutons maintenant M. Jean-Bernard Raymond. Oui, merci André. Écoutez, pénurie de main-d'œuvre, je pense que c'est les mots qu'on entend le plus présentement. C'était vrai avant la pandémie, c'est vrai, David. Je pense que la pandémie a accentué le phénomène, là. C'est rendu une crise assez grave. Puis le commentaire, les propos des deux entrepreneurs qu'on a entendus, c'est exactement le même phénomène partout. Chez les entreprises, mais dans le monde de l'éducation, dans le monde de la santé, dans les organismes communautaire. Tu disais d'entrée de jeu, tu as raison, on a une démographie dans la région qui est comparable à peu près à celle de la Gaspésie, une population vieillissante. Notre gouvernement va travailler sur 4 axes, éducation, formation, requalification, ce qu'on appelle gentiment les travailleurs expérimentés, on en a beaucoup dans la région, il faut les inciter à rester à l'emploi ou à revenir à l'emploi avec des mesures fiscales et le gardien du temps me dit que c'est terminé. Merci beaucoup. Monsieur Aymon, on écoute maintenant Monsieur Gabriel Arpin. Premièrement, je pense que c'est important de rappeler que la fermeture des restaurations, des restaurants et la fermeture des petits commerces pendant la pandémie a fait qu'il y a eu beaucoup d'employés qui ont relocalisé leurs priorités puis qui ont changé de type d'emploi. Donc, la chose que j'ai mentionnée auparavant, ça a aussi un impact sur la pénurie de main-d'œuvre dans la restauration, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la restauration qui ont décidé de changer d'endroit. Pour ce faire, il faudrait stimuler ces gens-là à revenir dans le milieu de la restauration.
Puis pour ça, il faut augmenter non seulement le salaire minimum, mais permettre à ces gens-là d'avoir aussi d'autres facteurs qui les stimulent à revenir dans le milieu de la restauration. Une mauvaise gestion par rapport à ça de la pandémie, c'est aussi un des résultats qui fait qu'on manque de main-d'œuvre dans la restauration aujourd'hui. Puis j'irais même à dire qu'augmenter le salaire minimum aussi, ça peut régler un autre phénomène, qui est le fait que pour les jeunes aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir accès à l'immobilier. Les prix sont exorbitants. Donc, au salaire minimum aujourd'hui, on ne peut pas avoir accès à l'immobilier. Donc, merci, c'est une façon de répondre à ce problème-là. Merci, M. Harpin. Maintenant, on écoute M. Anthony Soriol. La pénurie de main-d'œuvre, là, c'est un réel frein à notre économie. On a presque 240 000 emplois à combler. Partout au Québec, il faut s'y attaquer, contrairement à la CAQ, qui pense qu'une pénurie de main-d'œuvre, c'est une bonne nouvelle. Nous, on n'est pas d'accord. Ça, comme on voit, il y a des restaurants qui ferment. On manque de gens pour travailler dans nos hôpitaux. Je veux dire, moi, je ne vois pas ça comme une bonne nouvelle. Fait que c'est pas en niant ce problème-là qu'on trouve des solutions. Donc, on va agir au Parti libéral du Québec sur tous les axes, qu'il s'agisse de ramener des travailleurs expérimentés au travail en offrant des incitatifs intéressants, que ce soit d'avoir une immigration qui est contrôlée puis qui contribue mieux aux besoins. Puis, dans le même ordre d'idée, on va étudier les besoins qui sont nécessaires pour pouvoir combler la pénurie de main-d'œuvre. Merci beaucoup. Merci, M. Soriol. On va maintenant écouter Mme Marie-Ève Dia. Oui, pour la pénurie de main-d'œuvre, dans le fond, j'aimerais d'abord rappeler une chose. En 2018, la CAQ, elle avait promis de diminuer le nombre d'employés de l'État de 5 000 travailleurs, puis ils ont plutôt augmenté de 72 000 travailleurs de la fonction publique. Donc, je pense que ça aussi, ça n'a pas aidé, ça a créé un trou du côté des PME puis des organismes communautaires. On a aussi le fait que la population est vieillissante, donc ça n'aide pas non plus de ce côté-là. Nous, dans le fond, on veut diminuer le nombre d'employés de l'État pour, dans le fond, réduire le nombre de bureaucrates puis avoir plus de gens sur le plancher. On veut offrir un crédit d'impôt aux retraités qui veulent revenir sur le marché du travail. Dans le fond, un incitatif pour les 60 à 64 ans. Dans le fond, ils ne seraient pas imposés avant d'atteindre 23 000 de revenus. Puis pour les 65 ans et plus, ils ne seraient pas imposés avant d'atteindre 25 000 de revenus. Sinon, l'immigration, c'est aussi une solution, mais il ne faut pas oublier qu'un nouvel arrivant ne compte pas tout à fait un poste parce qu'il a lui aussi besoin de services là, de son côté. Merci beaucoup, Mme Dionne. Vous avez 4 minutes pour débattre de la question de l'économie. Je vais y aller en premier parce que j'aimerais rebondir sur un sujet que j'ai eu la chance de connaître davantage en rencontrant les syndicats des métallos et plusieurs syndicats dans la région. C'est le projet de loi 59 qui est ultimement la loi 27. Je suis sûr que M. Jean-Bernard Aymon est au courant. En fait, ce projet de loi-là, c'est une réforme sur la santé et sécurité au travail dans le milieu notamment des usines. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent ici dans les usines. Puis en gros, rapidement, là, parce que je veux savoir ce que M. Aymon en pense, ça va avoir comme conséquence de donner plus de pouvoir aux patrons dans les usines et de réduire la marge de manœuvre pour les gens qui se blessent au travail. Je pourrais donner plusieurs exemples, mais je veux laisser le temps de parole à mes collègues. Donc, je sais. M. Harpin, je pense que là, tout le monde veut savoir ce que vous pensez de l'inflation puis de la pénurie de main-d'œuvre. Je pense que c'est un sujet très important, mais honnêtement, j'aimerais ça vous entendre sur les sujets qui intéressent vraiment les gens qui nous écoutent. Vous avez des positions très différentes. Je viens d'entendre deux personnes parler de l'augmentation du salaire minimum, ce qui n'avait pas été si souvent dans l'actualité depuis un certain temps. Moi, j'aimerais ça en parler de ça parce que à court terme, ça peut avoir l'air d'une bonne solution, sauf que à long terme, c'est ces mêmes personnes-là qui la pomme de salade vont devoir la payer 10 $, tu sais. Dans le fond, ça fait de l'inflation augmenter le salaire minimum plus haut. Bien, sur la pénurie de main-d'œuvre, moi, j'aimerais bien ça vous entendre parce que on a déjà connu des périodes de pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs. Puis là, on trouvait des gens, notamment de l'étranger, pour venir combler des postes. Mais maintenant, la pénurie de main-d'œuvre semble généralisée. Alors, les humains qui vont faire ce qu'il faut faire, on peut pas les inventer en ce moment. Alors, j'ai comme l'impression qu'on ne peut que faire de la gestion des méfaits, de la réduction des méfaits. Je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez. Ben, c'est pour ça qu'on veut ramener. Vous me permettez, en fait, c'est que nous, chez Québec solidaire, on mise sur une immigration donc qui pourrait répondre à ces problématiques-là. Nous, on veut augmenter. En fait, on a le plus haut seuil d'immigration en fait proposé par tous les partis comparativement aux autres partis.
on mise sur la vraiment à intégrer ces gens-là sur le marché du travail. Les gens qui migrent au Québec, là, ce sont des gens qui, dans 80% des cas, parlent français, qui sont déjà qualifiés. En arrivant ici, ils veulent des jobs, ils veulent travailler comme monsieur, madame, tout le monde. Puis ces gens-là, nous, on veut les intégrer. On veut même offrir des services de francisation au travail pour justement faire en sorte qu'ils s'intègrent bien à notre culture. Ce qu'on veut également, c'est en utilisant les services comme l'Orientec ici à la région, qui pourraient très bien, en fait, justement, encadrer ces nouveaux arrivants-là. Il y a quand même plusieurs entrepreneurs qui veulent des travailleurs étrangers puis qui trouvent que c'est trop compliqué de les avoir. Oui, je pense que le mot magique en immigration, c'est régionalisation de l'immigration. Absolument. Très important. On a des beaux succès ici dans la région. Hein. J'ai visité dans la campagne... Durant la campagne, pardon, des entreprises du coin, une grosse PME à l'intérieur de laquelle j'ai discuté avec des travailleurs ukrainiens, une intégration parfaitement réussie dans la région. Il faut accueillir davantage de clientèle immigrants. Par contre, ça prend des endroits pour les loger. On va pouvoir en parler probablement un petit peu plus tard, mais ça, c'est un autre enjeu. Il y a aussi, puis je tiens à parler, la compagnie Bell, là, qui s'est installée, là, les fromages Baby Bell, je les ai accompagnés durant mon mandat. Figurez-vous qu'ils n'ont jamais été en mesure de fonctionner à plein régime, ne trouvaient pas assez de main-d'œuvre, taux de chômage 3,6%. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en trouver de la main-d'œuvre? Oui, bon, ben, ce qu'on fait, on a accompagné les gens de Bell qui possèdent des usines en Europe. Ils ouvrent des postes en Europe pour venir travailler à Sorel parce que c'est plus facile de trouver des employés dans leurs autres usines. Alors, il y a toutes sortes de moyens qu'on peut mettre en place comme ça. L'autre mot-clé, c'est l'arrimage. Moi, je trouve qu'on a vendu beaucoup trop longtemps aux immigrants au Québec des rêves en accueillant chez nous des gens, c'était une tristesse, là, des docteurs qui se ramassaient chauffeurs de taxi. Moi, je trouve ça inacceptable. Il faut faire un arrimage entre la clientèle. Merci beaucoup, M. Aymon. On s'arrête pour une pause et au retour, sa question d'un autre sujet très sensible pour bien des gens chez nous, la famille et l'éducation. Vous suivez le débat électoral provincial dans Richelieu. Vous êtes toujours à faire des choix, puis ça, c'est pas toujours facile. Eh bien, pour une fois, prenez ça relax. Pour vos besoins en immobilier, location, achat, vente et gestion, il n'y a qu'une décision à prendre et c'est la bonne pour vos intérêts. L'équipe de courtiers immobiliers Charbonneau-Chartrand, c'est votre protection dans vos transactions. Pas besoin de choisir. Un appel vous suffira. 450-494-1888. L'équipe de courtiers Charbonneau-Chartrand se spécialise dans l'art de dénicher pour vous les meilleures propriétés sur le marché. Le cégep de Sorel-Tracy est fier de s'associer à l'exercice de la démocratie que représente un processus électoral. De par son rôle d'établissement d'éducation supérieure, il promouvoit l'engagement citoyen auprès de la communauté étudiante, il l'encourage à participer à la définition d'enjeux importants et à faire avancer ceux-ci au moyen d'une mobilisation commune. Nous souhaitons la meilleure des chances à tous les candidats. Bonne soirée de débat et bonne suite de campagne électorale à tous. Saviez-vous que le collagène aide à atténuer les rides, nourrit les cheveux et renforcer aussi les ongles? Stimulez votre collagène et raffermissez votre peau grâce aux technologies innovantes d'Espace Beauté. La radiofréquence est un traitement non-invasif, naturel et très confortable. Il s'agit de la toute dernière technologie de raffermissement et de remodelage pour le visage. Elle permet de tonifier, remodeler et raffermir la peau du visage et du cou en plus d'améliorer l'apparence générale. Passez-nous voir pour plus d'informations sur nos technologies. Nous sommes ouverts du lundi au samedi, espacebeauté.ca. Ici Sylvain Rochon, le soir du 3 octobre, toute l'équipe de CJSO sera mobilisée pour vous faire connaître les résultats de l'élection québécoise dans la région à compter de 20 heures. J'animerai cette émission spéciale en compagnie de Rénald Bergeron et Denis Marion à l'analyse et nous aurons des reporters partout sur le terrain pour vous présenter les entrevues avec les candidats des différents partis. Le soir du 3 octobre, syntonisez CJSO pour ne rien manquer de l'élection québécoise dans la région. Le débat électoral est une présentation du cégep de Sorel-Tracy, de l'équipe Charbonneau-Chartrand, d'Espace Beauté et de la Maison du Multimédia. CJSO 101.7. CJSO, en collaboration avec Les Deux Rives, les communications intermédias, IPIX TV, la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy et de Cégep de Sorel-Tracy, vous présente le débat des candidats à l'élection provinciale de la circonscription de Richelieu. De retour à André Champagne. Merci beaucoup. Oui, on est de retour pour une autre portion de notre débat, un autre sujet très important qui touche les gens de très, très près dans leur vie quotidienne. Alors, Le Devoir, le 31 octobre 2020, nous rappelait que 51 000 parents attendaient une place en garderie et que, selon les experts, il manquait 3 000 éducatrices.
Ce chiffre grimpera, c'est ce qu'on pouvait lire à l'époque, là, ce chiffre grimpera à 10 000 en 2024 si rien n'est fait, selon les prévisions du ministère de l'Emploi et du Travail et des partenaires du marché du travail. De plus, environ 900 milieux de garde familiaux ont fermé leurs portes pendant la pandémie. Alors, on a tous entendu parler de gens qui avaient des problèmes à avoir des places en garderie. On nous a parlé de mamans qui pleuraient parce qu'elles ne pouvaient pas retourner au travail parce qu'elles n'avaient pas de place de garderie. Des papas aussi qui n'ont pas trouvé ça facile. On peut faire des parallèles avec ce qui se vit dans le monde de l'éducation. Et justement, pour nous parler de ce qui se vit dans le monde de l'éducation, on a avec nous Mme Lisette Trépanier, qui est présidente du syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu. Bonsoir. On a pu lire dans le journal local que toutes les chaises enseignantes étaient occupées lors de la rentrée scolaire de cette année. Dans les faits, plusieurs enseignantes secondaires occupent une tâche de plus de 100 % des retraités occupent des postes, sans compter plusieurs postes occupés par du personnel non légalement qualifié, donc des gens qui ont des diplomations, mais autres qu'en enseignement, dont le nombre a triplé, le nombre des non légalement qualifiés a triplé ces dernières années. Au Québec, il y a présentement 140 postes temps plein qui sont encore vacants et s'ajoutent à ça des postes à temps partiel. Les listes de suppléants, quant à elles, sont vides. Le Journal de Québec du 20 septembre publiait les recherches de M. Maurice Tardif, directeur du Centre de recherche universitaire sur la formation de la profession et la profession enseignante. Il affirme que 40 % des enseignants prendront leur retraite d'ici 2030. On peut donc affirmer qu'il est minuit moins une en éducation. Concrètement, sans promesses vagues, que comptez-vous faire pour contrer la pénurie enseignante ici et partout au Québec, pour attirer des gens dans la profession et pour donner envie aux enseignants de rester dans la profession? Parce qu'il y a une recherche de M. Létourneau qui dit qu'il y a 25 à 30 % après un bac 4 ans qui quittent dans la première année et on va jusqu'à 50 % dans les 5 années suivantes, là, le début de la diplomation qui quitte. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Juste précision concernant l'article sur les postes à la commission scolaire de Sorel-Tracy. C'était bel et bien dans le Sorel-Tracy magazine. On parle de la même nouvelle, là. Donc, vous avez une minute pour répondre à la question de Mme Trépanier et on débute avec M. David Dionne. Alors, bonjour, Madame. Merci beaucoup pour votre question. Depuis le début de la campagne, j'ai eu l'occasion d'aller à la rencontre des gens, justement, des enseignants et des enseignantes qui travaillent ici, dans notre système. On confie nos enfants ce qu'il y a de plus précieux au monde à un système d'éducation qui ne remplit pas la commande actuellement. Et c'est pas la faute des profs, parce qu'ils arrivent dans notre système, ils sont, pour la plupart, hyper motivés, désireux de faire une différence dans la vie de nos jeunes. Puis on sait, ici, là, on est les grands défavorisés en plus du système d'éducation. Le système les empêche, les enseignants, de faire ce pour quoi ils sont essentiels, enseigner. On me dit, le mot du terrain, c'est « on fait tout sauf enseigner ». On part, on est enseveli sous la paperasse, la bureaucratie. Ils doivent s'impliquer dans une multitude de comités, gérer des cas lourds. Les élèves aux besoins particuliers ne disposent pas des services dont ils ont besoin. Ça pousse nos enseignants, nos enseignantes à quitter le milieu. On a besoin de revaloriser leur travail, puis de les encadrer, puis de leur donner du lousse à ces gens-là. Merci beaucoup, M. Dionne. On écoute maintenant M. Jean-Bernard Raymond. Oui, merci. Bonjour, Mme Trépanier. Merci pour votre question. Je suis content de vous revoir. On a eu des échanges fructueux durant les 4 dernières années, des fois un petit peu plus corsés, il faut le dire, mais on a toujours sorti nos rencontres avec, de façon très constructive. Les chiffres que vous avez évoqués, c'était épeurant, t'sais. Pénurie de main-d'œuvre, c'est tous les domaines. S'il y a un endroit où ça me touche particulièrement, c'est en éducation. Il faut faire tout ce qu'on peut pour valoriser, David le dit, la profession enseignante. Notre gouvernement, dans la dernière négociation, il va en avoir un autre en 2023, Lisette, je crois, on a quand même augmenté d'une manière historique le salaire des enseignantes avec des offres différenciées, surtout pour les premiers paliers, pour les premiers échelons, pour attirer les jeunes avec un salaire à l'entrée qui est un peu plus intéressant. On a également mis en place des bourses pour essayer d'amener davantage de monde à étudier dans les facultés d'éducation. Et puis, ça porte fruit, mais ça va être long. Une formation, c'est 4 ans. Merci beaucoup, M. Aymon. On va maintenant écouter Mme Marie-Ève Dionne.
Oui, dans le fond, l'éducation, je suis d'accord, ça constitue une pièce maîtresse là, de la réussite et du cheminement de la jeune génération. La réalisation du plein potentiel d'un individu, dans le fond, c'est étroitement lié à sa capacité là, de pouvoir être bien instruit. Donc, nous, on veut favoriser l'autonomie des écoles. Dans le fond, on veut donner plus de pouvoir décisionnel aux directeurs d'école, aux enseignants et aux parents, car c'est eux qui sont le plus proches des élèves, puis c'est eux qui connaissent mieux la réalité sur le terrain. On veut aussi augmenter les budgets d'entretien des écoles, parce que l'état des écoles se dégrade. Dans le fond, 53 % d'entre elles sont dans un mauvais état. On veut aussi augmenter le taux de diplomation de la formation professionnelle, parce que on le sait, sur ce côté-là aussi, c'est négligé, puis la pénurie de main-d'œuvre est constatée. Puis il y a de nombreux métiers spécialisés, là, je pense aux machinistes dans la région, même, on a de la misère à en trouver ici. Puis aussi, on veut bonifier les bourses dans les secteurs essentiels en besoin. Merci. Merci beaucoup, Mme Dionne. On écoute maintenant M. Gabriel Arpin. Bien, je pense que c'est un peu le discours que je donne depuis le début. Il n'y en a pas de secret pour aider les gens, c'est de les écouter. Moi, j'ai plein d'amis professeurs qui, ça fait pas longtemps qu'ils sont dans le métier, puis que malheureusement, ils pensent déjà à quitter, notamment parce que pendant la pandémie, ils savaient aux nouvelles les mesures qui allaient être prises dans les écoles. Quand ils pensent, ça fait aucun sens. Comment on peut aider les gens, comment on peut aider les profs à se planifier d'avance si eux-mêmes l'apprennent le soir d'avant qu'ils vont donner des cours en ligne au lieu de donner des cours en classe? Ça fait aucun sens. Mais là, en ce moment, la crise d'enseignement, c'est la même chose. Il faut écouter les profs. Qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, ils veulent des augmentations de salaire, mais ce n'est pas la seule chose qu'ils veulent. Moi, quand je parle avec mes amis, là, c'est la dernière chose qu'on entend, augmentation de salaire. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les écoute, qu'on leur donne les moyens, puis surtout qu'on les aide en mettant des spécialistes dans les écoles pour aider les jeunes qui sont dans le besoin. Là, ils sont laissés à eux-mêmes, puis il n'y a personne pour les aider. Merci beaucoup, M. Arpin. On écoute maintenant M. Anthony Soriol. Ils l'ont tous dit, l'éducation, c'est l'élément clé de la réussite de notre économie au Québec. Donc, décidément, il y a des investissements à se faire faire. On revient un peu à la question de du manque de main-d'œuvre dans les écoles et, en fait, le manque de personnel qualifié. Il faut agir rapidement, comme vous nous avez dit, il est minuit moins une dans les écoles, puis il faut augmenter le nombre de professeurs, notamment, un peu comme Mme Dionne a dit, faciliter l'accès aux maîtrises qualifiantes pour qu'on ait du personnel qualifié. Puis nous travaillerons avec les centres de services et les commissions scolaires afin d'établir le nombre de professeurs qu'on a de besoin de professionnels dans chaque catégorie d'emploi, c'est-à-dire, et on va favoriser la formation de ces professionnels-là pour mieux répondre aux besoins identifiés. J'aimerais un peu continuer sur le même ordre d'idée de M. Arpin. C'est pas seulement les salaires. Les salaires, c'est un facteur d'hygiène. Il faut les motiver, les professeurs, puis ça commence avec l'environnement d'apprentissage, qui est un autre élément essentiel dans l'éducation de nos jeunes. Merci beaucoup. Madame Trépanier, êtes-vous rassurée? Alors, la question, je vous la répète, comment vous allez contrer la pénurie dans le secteur de l'éducation au Québec? Moi, j'ai envie de vous dire une chose, c'est qu'en ce moment, on assiste à un grand problème, en fait, concernant les CPE, les places en garderie. La raison pour laquelle je l'évoque, c'est justement parce que ça prive les gens, beaucoup de gens, j'en suis, je l'ai vécu, j'ai passé une année complète à la maison avec mon petit garçon, faute d'avoir une place en garderie. Et ça, nécessairement, ça contribue justement à exacerber ces problématiques-là de pénurie de main-d'œuvre. Parce qu'on prive majoritairement des femmes, en plus, on le voit statistiquement, du retour au travail, justement. Et ça, pour ça, nous, on a des mesures concrètes. En fait, on veut répondre à ce besoin immédiat-là. On veut donner une prestation, à tout le moins, c'est la moindre des choses, une prestation d'urgence pour les parents sans place dans un service de garde qui sont privés de travail. On va leur donner une allocation de 870 $ par mois, non imposable et sans condition. On veut actuellement combler les 52 000 places. On veut compléter en raison de 37 000 places dans un premier mandat, puis 52 000 à terme. C'est un engagement de Québec solidaire. Donc. J'aimerais un peu continuer sur la même idée que M. Mont avait demandé. OK. Vas-y. Mais, en fait, j'aimerais revenir sur la CAQ encore une fois. Elle s'était engagée à faire disparaître la liste d'attente pour avoir une place en service de garde, puis même en mettant un service de garde pour les maternelles de 4 ans. Elle a plutôt augmenté à 10 000 de plus. Elle a également promis plus de 37 000 places d'ici 2025, ce qui est super, mais au rythme qu'on avance présentement, ça va prendre 12 ans. Donc, les familles
on revient un peu à la main-d'œuvre. Si les professeurs sont à la maison avec leur enfant, ils ne peuvent pas aller au travail. Ils doivent prendre soin de leur enfant s'il n'y a pas de place de service de garde. Puis même que nous, au Parti libéral, on donnera cet accès-là à ce service. C'est un droit. Puis tout enfant pourra y accéder à 8,70 $. J'aimerais envoyer une petite fleur à Gabriel, à ta formation politique plutôt, puis saluer. C'est le Parti québécois, sous l'égide de Mme Marois, qui a créé les CPE. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce qui a permis, c'est une grande fierté au Québec, hein, pour l'ensemble du peuple québécois, les CPE. Ça a permis aux femmes de s'émanciper, de retourner sur le marché du travail, d'acquérir de l'autonomie, puis également de venir en aide aux jeunes, aux tout-petits, de retourner dans la socialisation, puis ça a aidé surtout les clientèles les plus démunies. Bon, maintenant que j'ai envoyé la fleur, pendant les années qui ont suivi, les décennies qui ont suivi, on a eu en alternance des gouvernements péquistes libéraux qui ont eu des modèles différents. Je ne veux pas parler du scandale Thomassy, mais je veux plutôt dire que dans les 4 dernières années, on a créé 135 nouvelles places de garderie dans la région. Je la liste devant moi à Sorel, à deux endroits, Yamaska, Saint-Ours, qui va accueillir un centre assez important qui va pouvoir desservir toute la clientèle environnante des communautés rurales. Et puis, on ne va pas s'arrêter là. Il va y avoir d'autres places qui vont être créées. Une nouveauté qu'on a amenée avec le ministre Lacombe. Vous savez, avant, les projets, les dépôts de projets, c'était une fois par année. On a décidé que c'était en continu. Il y a eu des projets qui ont été déposés dans la région. On en a accepté 135 nouvelles places. Il y a des projets qui ont été refusés. Mon équipe et moi, on accompagne les personnes qui ont déposé leurs projets pour faire en sorte qu'ils soient acceptés la prochaine fois. J'aimerais rajouter aussi, là, dans le fond, moi, en tout cas, j'en connais beaucoup de gens là, qui veulent retourner travailler, puis c'est vrai que ça n'aide pas à la pénurie de main-d'œuvre parce qu'ils sont pris à la maison. Donc, nous, on est avec le bon de 200 $ par enfant par semaine, on pense que on va pouvoir aussi permettre l'arrivée de nouveaux milieux de garde là, dans la région aussi, en parallèle avec ce bon-là. Puis, on déshabille pas les CPE là, pour habiller les garderies privées. C'est que ça change seulement le mode de financement. Au lieu que l'argent vienne du gouvernement puis qu'elle soit donnée directement au CPE, elle va être par le bon de 200 $ financé, dans le fond, comme ça. Bien, rapidement, tantôt, je me suis fait dire de ramener le débat vers la question, donc je ramène le débat vers la question des professeurs. Je voulais savoir rapidement, M. Aymon, comment vous pensez aider les professeurs avec des éducatrices spécialisées à s'en sortir? On n'aura pas le temps, mais je laisse les gens à la maison poser la question à votre député quand vous aurez le temps. Merci beaucoup, M. Arpin. On s'arrête pour une pause. Au retour, il sera question d'environnement. Vous suivez le débat électoral provincial d'Henri Richelieu. Le cégep de Sorel-Tracy est fier de s'associer à l'exercice de la démocratie que représente un processus électoral. De par son rôle d'établissement d'éducation supérieure, il promouvoit l'engagement citoyen auprès de la communauté étudiante. Il l'encourage à participer à la définition d'enjeux importants et à faire avancer ceux-ci au moyen d'une mobilisation commune. Nous souhaitons la meilleure des chances à tous les candidats. Bonne soirée de débat et bonne suite de campagne électorale à tous. Ici Sylvain Rochon, la campagne électorale québécoise comporte son lot d'enjeux locaux. Syntonisez CJSO 101,7 pour entendre les propositions des candidates et des candidats dans Richelieu et les circonscriptions voisines. Suivez nos bulletins de nouvelles et nos émissions d'affaires publiques, La Tribune et On a des choses à dire. Écoutez nos analyses et donnez votre propre point de vue sur nos différentes plateformes. La campagne électorale québécoise dans la région, on la suit sur CJSO 101,7. Nous sommes la maison du multimédia, spécialiste d'électronique et de l'informatique depuis 1963. Une entreprise entièrement sorelloise, reconnue pour la qualité de nos produits, la justesse de nos prix, ainsi que notre service après-vente. Nous avons accès à des centaines de produits électroniques et informatiques disponibles très rapidement. Vous trouverez chez la maison du multimédia des plus grandes marques. On vous invite à consulter notre large inventaire au www.maisonmultimedia.com. La maison du multimédia, 359 boulevard Poliquin à Sorel-Tracy. Vous êtes toujours à faire des choix, puis ça, c'est pas toujours facile. Eh bien, pour une fois, prenez ça relax. Pour vos besoins en immobilier, location, achat, vente et gestion, il n'y a qu'une décision à prendre et c'est la bonne pour vos intérêts. L'équipe de courtiers immobiliers Charbonneau-Chartrand, c'est votre protection dans vos transactions. Pas besoin de choisir. Un appel vous suffira. 450-494-1888. L'équipe de courtiers Charbonneau-Chartrand se spécialise dans l'art de dénicher pour vous les meilleures propriétés sur le marché. Le débat électoral est une présentation du cégep de Sorel-Tracy, de l'équipe Charbonneau-Chartrand, d'Espace Beauté et de la maison du multimédia. Mais it, ma radio.
CJSO 101.7. De retour au débat des candidats à l'élection provinciale de la circonscription de Richelieu. Voici André Champagne. On est de retour. S'il vous plaît, on est de retour pour un sixième et dernier thème, et non le moindre. Selon un sondage léger publié en mai dernier, 73% des Québécois étaient inquiets face aux conséquences des changements climatiques. L'environnement est un thème de plus en plus important pour les électeurs de Richelieu. Nous le sentons ici à chaque débat politique. Chez nous, cet enjeu attire de plus en plus l'attention. Poussière de Richardson au centre-ville, volonté de la ville de Sorel-Tracy d'être appuyée par le gouvernement pour l'acquisition de terrains afin de contrer le déboisement, les sujets ne manquent pas. Pour vous poser la question à propos de l'environnement, voici quelqu'un qui fut, entre autres, directeur général du CLD de Pierre de Sorel, président du comité de parrainage de l'agenda 21 de la ville de Sorel-Tracy et conseiller stratégique en développement durable à l'Auto-Québec, M. Yves Fortin. Bonjour, mon nom est Yves Fortin, je demeure à Sorel-Tracy. Durant tout l'été, les médias nous ont informés de catastrophes climatiques à l'échelle de la planète. Donc, ma question va porter sur ce thème-là, les changements climatiques qui affectent notre vie au quotidien, individuellement et collectivement. Ma première question vous interpelle directement en vous demandant si vous pensez que le Québec et les sous-régions vont être de plus en plus affectés par les changements climatiques. Et est-ce qu'on devrait s'y préparer localement? Le deuxième volet de la question concerne votre implication potentielle. Est-ce que vous seriez prêt à vous impliquer au niveau d'une démarche d'adaptation au changement climatique dans la région? Et finalement, le troisième point, c'est est-ce que vous avez des idées concernant les actions qui pourraient ou devraient être prises à court terme pour démarrer et soutenir une démarche d'adaptation au changement climatique dans la région? Merci, j'attends vos réponses. Merci beaucoup, M. Fortin. Donc, en plus, on a vu récemment là, les maires des plus grandes villes du Québec qui demandaient à peu près la même chose, avec quand même des montants importants. Donc, pour répondre à la question de M. Fortin, on va débuter avec Mme Marie-Ève Dionne. Oui. Dans le fond, moi, je travaille en environnement, donc évidemment que ça me tient à cœur. Je suis de ceux et celles qui pensent qu'il faut toujours s'améliorer en la matière. On a juste une planète, donc c'est important de la préserver. Pour les poussières au centre-ville, dans le fond, je pense aussi qu'il faut réunir les experts pour bien analyser la situation, pour s'assurer, dans le fond, que ce soit pas dangereux pour la santé des gens. Puis si c'est le cas, ben moi, je vais m'assurer de porter le dossier là, à l'Assemblée nationale. J'aimerais cependant vous remettre là, en perspective sur certains points concernant l'environnement. Nous, on a une perspective plus planétaire parce que il y a des pays qui chauffent au charbon présentement puis qui réouvrent là, des centrales au charbon. Nous, on veut les aider pour avoir un impact, un vrai impact dans le fond sur la transition énergétique là, dans le monde. Parce que eux, là, en 14 heures, dans le fond, là, juste comme pour que vous ayez une idée, la Chine émet plus de gaz à effet de serre que nos cibles de réduction depuis 1990. Okay? Donc, juste pour vous dire. Merci beaucoup. Merci, Mme Dionne. On écoute maintenant M. Anthony Soriol. Donc, comme j'ai dit au début dans mon introduction, ça me tient à cœur de concilier l'économie et l'environnement. C'est le futur. Et malheureusement, la CAQ semble démontrer peu d'intérêt pour la lutte au changement climatique, ce qui est pourtant l'enjeu concilié du 21e siècle. Donc, nous, comme cible, on veut une diminution de 45% d'ici 2030, puis la carboneutralité en 2050. Donc, on a une série de mesures, mais il faut voir des mesures à long terme, notamment notre projet ECO, qui vise à transformer notre économie en économie plus verte, et en utilisant nos ressources en hydroélectricité, on créerait de l'hydrogène, qui est une source d'énergie renouvelable et écologique. Par la suite, il faut penser au projet éolien qu'on a ici, à Sorel-Tracy, qui a d'ailleurs été mise en place par le PLQ, qui a eu des retombées importantes avec laquelle la CAQ était en désaccord, mais que maintenant qu'elle est au pouvoir, elle est très heureuse de l'avoir. Donc, le PLQ, c'est le parti de l'économie et de l'écologie. La CAQ, malheureusement, elle ne semble pas voir la conciliation entre environnement et écologie qui est possible. Merci beaucoup, M. Soriol. On écoute maintenant M. Gabriel Arpin. Bien, premièrement, j'aimerais rappeler que le PQ a été nommé comme ayant le projet environnemental le plus réalisable et le meilleur. Donc, première chose. Mais deuxième chose, pour répondre à la question, si les gens de Sorel-Tracy et des Merci vont être touchés, oui, c'est évident. Déjà, du côté agraire,
on voit déjà des répercussions sur les agriculteurs. Puis d'ailleurs, c'est une des choses que moi, je m'engage à faire comme député et que le Parti québécois est d'accord, c'est d'aider les agriculteurs dans la transition environnementale parce qu'ils sont déjà touchés, puis ça a des coûts s'ajuster au changement climatique. Maintenant, dans le plan du Parti québécois, on vise aussi l'autosuffisance depuis 10 ans en termes de ressources alimentaires au Québec. Donc, ce que ça fait, c'est que s'il y a jamais il y a des conséquences environnementales sur la capacité à avoir des denrées, mais si on est autosuffisant au Québec, on va pouvoir subvenir à nos besoins malgré les changements climatiques. Merci beaucoup, Monsieur Harpin. On écoute maintenant Monsieur Jean-Bernard Raymond. Oui, merci André. Je pense que c'est important de savoir où on se situe là, pour essayer de se projeter en avant. Vous savez, au Québec, en ce qui a trait à l'émission des GES par habitant, si on prend les 50 États américains, les 10 provinces canadiennes, sur 60 États, on n'est pas 20e, on n'est pas 10e, on est premier. On est devant la Californie, on est devant New York. Alors, on est les premiers. Je pense que c'est important et on doit être fiers de ça. Et c'est surtout grâce à notre hydroélectricité. Elle est là, moi, je pense, la solution, puis c'est ce qu'on pense également à la CAQ. Il faut davantage miser sur l'hydroélectricité à l'interne, mais pour aider nos voisins aussi. Alors, on mise sur les subventions pour l'acquisition de voitures électriques, les bornes, l'électrification du parc des autobus scolaires. C'est déjà débuté, là, dans la région. Il y a un autobus électrique qui a déjà été acquis, et l'ensemble du parc le sera très bientôt. Soutien aux entreprises pour la décarbonisation des procédés industriels. Alors, tout ça pour faire en sorte d'émettre moins de GES, mais aussi aider nos voisins. Merci beaucoup, M. Aymon. Écoutons maintenant M. David Dionne. Alors, vous incarnez bien, effectivement, le discours de François Legault, qui répète ad nauseam qu'on est les meilleurs en Amérique du Nord pour la lutte au changement climatique. En utilisant cette comparaison-là, il compare le Québec à deux cancres de la lutte au changement climatique. Les États-Unis et le Canada se classent respectivement 34e et bon dernier sur 37 pays de l'OCDE en émissions par habitant. Alors, on peut faire parler les chiffres comme on veut, mais la vérité, c'est que c'est pas vrai. Si le Québec faisait partie de l'OCDE, il se classerait en 27e position, loin derrière les pays scandinaves, la France, la Suisse, et j'en passe. Le prochain gouvernement aura le mandat de la dernière chance. Vous voyez comment j'ai des cartons? C'est effrayant. J'ai tellement de stock à dire sur l'environnement parce qu'on a le plus grand plan. On a 60 mesures concrètes. On a un plan qui s'appelle Vision 2030. La science est claire, c'est la décennie de la dernière chance, je l'ai déjà dit. Le GIEC indique que les pays développés doivent prendre leurs responsabilités historiques. Merci beaucoup, M. Dionne. Ceci dit, vous pouvez, si vous avez envie de continuer, vous pouvez. Bien, moi, j'ai envie de vous demander là, vos cibles impressionnantes. J'aimerais ça que vous nous disiez c'est quoi les sacrifices que les gens, concrètement, qui vont devoir faire pour l'environnement, justement, pour atteindre vos cibles. Alors, nous, ce qu'on fait concrètement, c'est prendre nos responsabilités parce que les changements climatiques sont déjà en opération actuellement. On ne demande pas à personne de faire des sacrifices. On veut faire du Québec un pays vert, innovant. On a ici même la main-d'œuvre, on a notre hydroélectricité, on peut aller de l'avant avec ce projet-là, et nous, chez Québec solidaire, c'est ce qu'on propose. C'est miser sur notre savoir-faire, puis on est en très bonne position pour le faire. J'ai entendu parler aussi d'une taxe orange sur des vieux véhicules. Pouvez-vous m'aider là-dessus? J'ai pas lu tout en détail, mais... Premièrement, il n'y a pas de mesure qui s'appelle la taxe orange. Vous reprenez la stratégie de la CAQ, là, qui la nomme ainsi. Puis en passant, on ne taxe aucune voiture usagée. Juste pour votre information, okay. C'est important de dire les choses comme elles sont. Ce qu'on fait, nous, concrètement, en fait, c'est qu'effectivement, on veut avoir des mesures dissuasives, en fait, en ce qui a trait à l'achat de véhicules neufs ultra polluants qui dépassent donc la norme de 210 grammes de CO2 par kilomètre. On veut, du fait même, en fait, encourager les gens qui veulent avoir de bonnes habitudes, qui veulent acheter une voiture électrique, par exemple, ou une voiture à essence qui respecte les normes que nous, on veut mettre en vigueur. Ça répond à votre question? Oui, mais tu sais, ça prend aussi le potentiel électrique là, pour qu'il y ait toutes ces nouvelles voitures-là. Il faut y penser aussi à ça. Absolument, puis on s'engage dans cette direction-là. Actuellement, on est en transition. Il faut réfléchir donc aux solutions à mettre en place. Par ailleurs, les villes nous ont clairement demandé, ont demandé à la CAQ, en fait, d'avoir des fonds de résilience pour justement se préparer aux impacts des changements climatiques. C'est une mesure qui a été balayée de la main par la CAQ. Alors, je peux vous dire une chose, c'est qu'un gouvernement solidaire s'engage à travailler main dans la main
main avec les villes. On veut vous encourager à ne pas déboiser. On veut freiner l'étalement urbain. C'est un engagement. Pour répondre à la question, André, de M. Fortin, c'est ça, pour nos implications locales ou ce qu'on compte faire localement. Tu sais, je pense que les impacts des changements climatiques, on les vit déjà, là, on n'a pas besoin de regarder très loin. Les inondations qu'on a eues dans les dernières 5 années en sont la preuve. Moi, j'étais un petit gars de Saint-Anne, là, puis au gouvernement, on a revisé les cartes des zones inondables parce qu'il était catégorisé 1 an, 10 ans, 5 ans, 100 ans. Puis là, on voit que la fréquence des inondations sont beaucoup plus rapprochées. Alors, on a redessiné la carte, on a accompagné les municipalités de la région pour se permettre de se préparer avec des plans d'intervention d'urgence. Puis on a annoncé, moi ça je trouve que c'est une belle mesure, la semaine dernière, la création du Fonds bleu, un fonds de 650 millions. L'argent va venir de la redevance sur l'eau utilisée par les industries. Concrètement, dans le coin, là, je vais faire partie d'un comité pour dépolluer la rivière Yamaska avec mes collègues qui longent cette rivière-là, également la rivière Richelieu, tous les comtés avoisinants là, le long de la rivière Richelieu. J'aimerais juste revenir sur le point qu'il n'y a pas un parti ici qui présente un projet d'envergure qui concilie l'économie et l'environnement. Donc, nous, évidemment, on a notre projet éco qui est fait avec l'hydrogène, qui est produit en fait par notre hydroélectricité, qui est d'ailleurs beaucoup mentionné ici, mais qui ne mentionne pas que c'est le Parti libéral qui l'a mis de l'avant. Donc, tous les projets qu'on a eu d'envergure au Québec, ça venait du Parti libéral. Et nous, on veut arrêter d'opposer l'environnement et l'économie. On a juste Mme Dionne ici, avec le Parti conservateur, qui ont des projets d'économie, mais qui veulent le faire à travers le pétrole. Et nous, on ne veut plus creuser pour ces ressources qui sont non renouvelables et très polluantes et contribuent. J'aimerais juste rebondir sur ce que M. Aymon a dit par rapport à la rivière Yamaska. Puis je voulais savoir si vous aviez consulté les agriculteurs dans ce projet. Si oui, c'est quoi les conclusions que vous avez eues? Puis comment voulez-vous supporter les agriculteurs avec les changements climatiques? Ouais, les agriculteurs, on a déjà des mesures qui sont en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous avez le sens du timing. On va s'arrêter pour une pause. Au retour, on va faire place aux questions des journalistes et du public. Vous suivez le débat électoral provincial dans Richelieu. Vous êtes toujours à faire des choix, puis ça, c'est pas toujours facile. Eh bien, pour une fois, prenez ça relax. Pour vos besoins en immobilier, location, achat, vente et gestion, il n'y a qu'une décision à prendre et c'est la bonne pour vos intérêts. L'équipe de courtiers immobiliers Charbonneau-Chartrand, c'est votre protection dans vos transactions. Pas besoin de choisir. Un appel vous suffira. 450-494-1888. L'équipe de courtiers Charbonneau-Chartrand se spécialise dans l'art de dénicher pour vous les meilleures propriétés sur le marché. Nous sommes la maison du multimédia, spécialiste d'électronique et de l'informatique depuis 1963. Une entreprise entièrement sorelloise, reconnue pour la qualité de nos produits, la justesse de nos prix, ainsi que pour notre service après-vente. C'est pourquoi vous trouverez chez la Maison du Multimédia les plus grandes marques. Des conseillers d'expérience sauront vous guider dans les nouvelles technologies électroniques et informatiques avec attention et selon vos besoins. On vous invite à consulter nos rabais au www.maisonmultimedia.com. La Maison du Multimédia, 359 boulevard Poliquin à Sorel-Tracy. Le cégep de Sorel-Tracy est fier de s'associer à l'exercice de la démocratie que représente un processus électoral. De par son rôle d'établissement d'éducation supérieure, il promouvoit l'engagement citoyen auprès de la communauté étudiante, il l'encourage à participer à la définition d'enjeux importants et à faire avancer ceux-ci au moyen d'une mobilisation commune. Nous souhaitons la meilleure des chances à tous les candidats. Bonne soirée de débat et bonne suite de campagne électorale à tous. Envie de découvrir une toute nouvelle technologie? Optez pour l'épilation au laser sans douleur grâce aux technologies innovantes d'Espace Beauté. Le Triton est sans douleur et nécessite moins de traitement. Cet appareil, utilisé tant pour les hommes que pour les femmes, est approuvé par Santé Canada. Étant propriétaire de ses propres appareils, Espace Beauté peut facilement offrir à ses clients et clientes des rendez-vous. Nos techniciennes ont plus de 15 ans d'expérience en laser. Prenez rendez-vous pour une consultation et suivez-nous sur Facebook Espace Beauté. Nous sommes ouverts du lundi au samedi, espacebeauté.ca. Le débat électoral est une présentation du Cégep de Sorel-Tracy, de l'équipe Charbonneau-Chartrand, d'Espace Beauté
et de la Maison du multimédia. Météo, CJSO. Nuageux avec 30% de possibilité d'averse, un minimum de 10 degrés. Alternance de soleil et de nuages mercredi, un maximum de 18. Retour des averses ce jeudi avec un maximum de 17. Et du soleil pour vendredi et pour samedi, les maximums de 14 et de 18 degrés. En direct à la radio et en web diffusion, CJSO vous présente le débat des candidats à l'élection provinciale de la circonscription de Richelieu. De retour à André Champagne. Next. Nous sommes de retour au cégep de Sorel-Tracy pour la suite et presque la fin de ce débat. Alors, on en est à la période de questions des journalistes. On a pris un peu de retard, donc on va essayer de rattraper ce retard-là. Est-ce que vous avez des questions pour nos candidats? S'il vous plaît, vous présentez avant. Bonjour, Alexandre Brouillard, journaliste au Journal Les Deux Rives à Sorel-Tracy. Ma question s'adresse à tous les candidats, si vous pouvez répondre rapidement. Oui, parfait. Ma question s'adresse à tous les candidats, si vous pouvez répondre rapidement. Au-delà de vos lignes de parti, si vous êtes élu, quelle sera votre priorité numéro un pour la région? Bien, moi, c'est d'être à l'écoute, personnellement. C'est d'être à l'écoute des gens. Je veux dire, c'est le plus important, c'est d'être sur le terrain, c'est d'être présent. Puis, c'est ça. Moi, je serai là, tout simplement. Il faut avoir une vision globale pour notre région. Il faut s'attaquer aux problèmes de santé qui sont observés sur le territoire, ce à quoi on a des réponses. Je le répète, nos CLSC, c'est un joyau national. Investissons, donnons-nous une première ligne de soins ici en région. Abordons l'angle de la santé mentale. On parlait tantôt des écoles. On a un étudiant sur trois qui présente des problèmes de santé mentale. Puis on est conservateur dans nos chiffres parce qu'il y en a plein de cas qui ne sont pas diagnostiqués. Vraiment, pour nous, ça, c'est une priorité. Bien, je suis d'accord avec ma collègue de débat. Je pense qu'il faut écouter les gens. Dans la région, il y en a plein des bons projets. J'en ai mentionné un plus tôt avec les transports collectifs. Il faut que les députés élus trouvent des moyens de financer ce genre de projet-là. Il y a des projets qui fonctionnent dans la région. Il y a des OBNL il y a des gens qui donnent leur vie pour aider les gens dans la région, des gens qui ont besoin d'aide. Mais si je suis élu comme député, je vais m'engager à écouter ces gens-là et à trouver le moyen de trouver du financement pour eux et pour les gens dans le besoin. Si les électeurs me font confiance le 3 octobre prochain, bien, on va continuer le travail qu'on a amorcé dans les 4 dernières années, mon équipe et moi. On va continuer de collaborer avec les élus municipaux, avec qui j'ai une très bonne relation, de réaliser des belles choses dans les dernières années, avec les entreprises, avec les groupes communautaires, avec les gens de la santé. Puis concrètement, rapidement, là, parce que c'est ce que j'entends le plus parler sur le terrain, c'est de mettre en place notre bouclier anti-inflation pour remettre de l'argent dans les poches des citoyens de Richelieu qui en ont grandement besoin en ce moment. Moi, comme j'ai dit au départ, j'ai ce désir d'être le porte-parole des citoyens et citoyennes du comté de Richelieu. Ça me ferait énormément plaisir. Je mettrai toute mon énergie pour soutenir les citoyens affectés, notamment par l'inflation, comme mon collègue vient de dire, parce qu'il y en a beaucoup qui peinent à joindre les deux bouts ensemble. Ça, ce serait une des priorités. Ensuite, la santé, j'en ai parlé beaucoup. La population est particulièrement vieillissante dans ce comté-ci, et c'est important que les besoins et les particularités soient prises en charge par un médecin de famille qu'on s'engage à donner à chacun et chacune des Québécoises. Et moi, je m'engagerai à vous les donner dans le comté de Richelieu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose ou c'est terminé? Je voulais dire aussi qu'on offre, dans le fond, la baisse d'impôts la plus importante, là, tout parti confondu, justement pour remettre de l'argent dans la poche des Québécois puis les aider aussi sur ce côté-là. Merci. Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter quelque chose? Bien, nous, on ne pense pas que les mesures d'impôt, les baisses d'impôts, pardon, ce soit responsable de le faire. Toutefois, on a, pour pallier justement l'inflation, la crise du logement en ce moment, on veut aider les gens à se sortir de cette misère-là. On veut couper la TVQ sur les biens essentiels, sur l'épicerie, sur OK, bien là, on a demandé la priorité, là, je pense que ça fait quand même beaucoup, là. Absolument. Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter sur leur priorité unique? Pour voir les choses dans la globalité, tout est important, tout a besoin d'amour, tout le temps. Merveilleux. On est prêt à passer à une autre question? Oui, merci André. Merci à vous tous. Ma question s'adresse à tous les candidats brièvement, mais je vais ajouter un niveau de difficulté.
Je vais vous demander, s'il vous plaît, vous savez à quel point le milieu communautaire, présentement, en arrache. Si on calculait le salaire de tous les bénévoles, je pense que notre système s'écroulerait. Ma question est la suivante. Comment pensez-vous obtenir un revenu récurrent? Et elle est là la difficulté, je ne veux pas savoir le nombre de subventions. Vous engagez-vous, chacun d'entre vous, à obtenir un montant récurrent d'année en année aux organismes communautaires pour bien planifier la suite, surtout présentement avec les banques alimentaires? Et, ben, sur cette question, il n'y aura qu'un tour de réponse. Merci. Ben, nous, en tout cas, on l'a mis de l'avant là, dans notre programme, les organismes communautaires, vraiment. Puis, personnellement, moi, ça me tient à cœur. Je veux dire, c'est des partenaires précieux. En plus, ils ont de l'expérience, ils sont près des gens. Je veux dire, nous, on veut les aider financièrement. Puis, on veut aider aussi les aidants naturels et les organismes à but non lucratif à la hauteur de ce que ça coûterait si on devait placer quelqu'un en institution. Donc, je pense que ça va grandement aider de ce côté-là aussi, à décharger aussi le système de santé. Les organismes sont importants aussi de ce côté-là. Chose certaine, c'est que si on met en place effectivement toutes vos idées concernant le système de santé, mais on va en avoir grandement besoin justement de cette aide-là communautaire, parce que vos mesures, ce sont des mesures en fait d'individualisation, d'américanisation de notre milieu. Ben oui, c'est littéralement l'américanisation de notre milieu. Vous, l'argent pousse dans les arbres, donc. On va écouter Monsieur Dionne, s'il vous plaît. La question, répondez à la question, s'il vous plaît. Ben, je réponds à votre question. Moi, j'étais à la porte du passant il y a 2 semaines, okay. Un organisme d'ailleurs qui m'a moi-même m'aider à un moment donné dans ma vie. J'ai vu qu'est-ce qui se passait sur le terrain. On me dit on a trois nuits par semaine, qu'on pourrait être full-time 7 jours sur 7. On a des besoins criants. Les problématiques de santé mentale sont exacerbées en ce moment. C'est sous-financé. Et le communautaire, mais nous, justement, on veut travailler main dans la main avec eux, parce que c'est ici, à notre échelle, avec les acteurs du milieu, qu'on va arriver à mettre en place des projets structurants puis de prendre soin de tout le monde. Laisser personne derrière. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de faire la dignité une priorité. Bien, sur ce point, je suis assez d'accord avec M. Dionne. En fait, dans la réponse précédente, j'ai mentionné que je désirais, si j'étais élu, aider les organismes communautaires. Donc, on ne peut pas dire que j'invente une réponse ici. Donc, pour répondre brièvement à la question, oui, je m'engage à aider les organismes communautaires et à débloquer des budgets pour ces derniers. Ouais, les organismes communautaires, je pense que c'est important de dire qu'ils jouent un rôle essentiel, particulièrement dans notre région. Moi, ça a été ma grande découverte en 2018. Là, je savais qu'il y avait des organismes communautaires qui étaient performants dans notre région, mais après les avoir tous rencontrés, c'est incroyable combien les gens qui travaillent là sont dévoués, sont compétents, ils font des véritables petits miracles avec chaque dollar qu'on leur octroie. Le gouvernement de la CAQ, on a fait un rehaussement historique de 1,1 milliard dans le dernier budget. C'est mon collègue, le ministre Jean Boulet, le ministre de la Sécurité sociale, qui l'a fait. Alors ça va permettre aux organismes communautaires du coin de gérer, entre autres, un problème qu'ils ont au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre pour la rétention du personnel. Alors on va continuer de les accompagner là-dedans. Je crois que c'est extrêmement important de venir en aide aux organismes communautaires. J'ai eu le plaisir, mais le centre d'aide au suicide qui est ici à Sorel, c'était extrêmement touchant de voir comment les gens mettent de l'effort, mais ils ont besoin d'aide, puis ça va au-delà de leur donner un salaire. Il faut qu'ils soient aidés mentalement, il faut qu'ils soient stimulés également. Puis nous, je reviens avec la question de santé mentale, mais la pandémie a tellement été difficile, puis on a besoin de ce genre d'organismes-là qui œuvrent dans ces activités. Et nous, on s'assurera certainement d'un meilleur financement des organismes communautaires à travers la province, mais moi, je veux m'assurer qu'ici, ils sont également très bien soutenus. Monsieur Soria, je m'excuse, je ne veux pas être déplaisant avec vous, mais vous n'avez pas de leçon. J'avais bien dit un tour de réponse. Merci beaucoup. Alors, la portion débat est terminée. Avant que les candidats présents ne s'adressent directement à vous pour une dernière fois, j'aimerais remercier ceux qui ont participé au succès de cette soirée. Éric Desautels et son équipe du Cégep de Sorel-Tracy pour leur accueil. Pour la préparation avec moi des questions qui furent posées ce soir, merci à Laurent Cournoyer de CJSO et Jean-Philippe Morin du journal Les Deux Rives qui m'accompagnaient
également pendant le débat. Merci à la Chambre de commerce pour la vente de billets, les communications intermédiaires, Epix.tv pour la web diffusion, CJSO pour la diffusion et l'organisation, ainsi qu'aux médias présents. Les candidats feront maintenant leur déclaration de fermeture, mais juste avant, je tiens à les remercier non seulement d'avoir accepté de se prêter au jeu ce soir, mais avec tout ce qu'on a vu et entendu récemment d'intimidation et de violence à l'endroit des élus, comme on dit, merci d'avoir mis votre face sur le poteau. Je les félicite et je vous invite, mesdames et messieurs, à les applaudir chaleureusement. Gardez-en un petit peu, la campagne n'est pas finie. Écoutons maintenant les candidats avec leur déclaration de fermeture. Ils ont 2 minutes chacun pour vous adresser la parole une dernière fois ce soir. Et le premier à le faire sera M. Anthony Sauriol. Donc, après une pandémie, dans le contexte du conflit armé qui est présentement en Ukraine et face à une incertitude économique qu'on a au Québec, il était nécessaire plus que jamais de présenter des orientations claires pour savoir où qu'on s'en va et donner espoir à notre communauté. Il faut se redonner le goût de rêver, d'oser, tout en faisant face aux défis quotidiens. En cette période, on sait, de crise climatique et de pénurie de main-d'œuvre, un gouvernement libéral va savoir protéger l'environnement tout en œuvrant de nouveaux horizons économiques dans toutes les régions du Québec, y compris celle du comté de Richelieu. Un gouvernement libéral agira pour favoriser l'accès aux soins de santé et protéger les jeunes et les moins jeunes, quel que soit leur milieu de vie. Un gouvernement libéral agira pour soutenir les familles et les aînés. On a plusieurs mesures pour venir en leur aide. Et à tous les citoyens et citoyennes de Richelieu, c'est avec enthousiasme que je me présente devant vous le 3 octobre prochain. J'espère que ce soir, je vous ai donné envie de redécouvrir c'est quoi voter libéral. L'économie est fragile, c'est temps d'enlever nos lunettes roses. Il est temps de commencer à donner un nouveau souffle à notre économie et à bâtir le Québec de demain avec un grand projet, tel le projet ECO de quel que je parle. On a juste à penser, le Parti libéral, c'est le parti des grands projets. Celui qui a mené la Révolution tranquille a mis en marche le potentiel de notre hydroélectricité, qui a développé le Nord et mis en valeur notre secteur maritime. À travers notre histoire, on l'a vu, le Parti libéral a su faire face à des défis qui semblaient insurmontables, mais a pu le faire en faisant valoir notre immense potentiel écologique et économique. Là, on est confronté à des changements climatiques. Les rapports ne sont pas très beaux du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Ça arrive beaucoup trop rapidement, puis les conséquences sont extrêmement néfastes. Donc, le 3 octobre prochain, je vous invite à voter pour Anthony Sauriol, candidat du Parti libéral du Québec. Merci beaucoup, M. Sauriol. On écoute maintenant M. David Dionne. Ce soir, nous avons tour à tour eu l'occasion de présenter nos idées. Nous ne disposions que de très peu de temps pour aller au fond des choses et d'apporter les nuances nécessaires à la pleine compréhension de nos propositions. Il faut le reconnaître. La campagne n'est pas terminée. J'espère avoir l'occasion de rencontrer le plus grand nombre d'entre vous. Je sais que nous avons des valeurs en commun en ce qui concerne l'environnement, la santé et l'éducation. Lorsque je vais à votre rencontre, lorsque vous me faites part de ce qui vous touche, vous me dites que vous voulez régler une fois pour toutes la crise du logement. Vous voulez des mesures écologiques fortes, assumées. Vous voulez des conditions de travail valorisantes, des salaires qui vous permettent de passer du temps de qualité avec vos enfants, avec vos familles et de profiter du moment présent. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un véritable projet de société. Rappelons-nous de la Révolution tranquille. Elle n'est pas apparue par magie. C'est le résultat de grands bouleversements sociaux. C'est la preuve que lorsqu'on s'y met, tous et toutes ensemble, on est capable de faire bouger des montagnes. Ayons pour notre société, pour nos enfants, autant de fierté, d'amour et d'audace que ces hommes et ces femmes qui ont à tout jamais transformé le paysage politique québécois. Je veux vous dire merci. Je veux dire merci aux aînés d'avoir pavé le chemin. Maintenant, il faut miser sur nos acquis, sur la protection de notre modèle québécois, pour ainsi se donner les moyens de nos ambitions. Je suis ici devant vous parce que j'ai fait la promesse, en fondant ma famille, j'ai fait la promesse à mon garçon que j'allais tout faire pour lui donner le meilleur avenir possible. Jean-Bernard s'est prêt à vous dire, continuons. Moi, je vous dis qu'il est grand temps de changer d'air. Merci tout le monde. Merci beaucoup, M. Dionne. On écoute maintenant M. Jean-Bernard Raymond. Oui, merci, André. Je pense qu'on a eu un bon débat ce soir. Je dis merci aux collègues candidats, madame la candidate. Somme toute, des échanges qui se sont déroulés dans le respect.
Ensemble, on a réalisé des belles choses dans les 4 dernières années pour la région. Hein? Puis je dis « on » parce que c'est pas uniquement le député, c'est avec mes partenaires municipaux, c'est avec l'ensemble des partenaires de la région. 6 millions pour un appareil IRM à l'Hôtel-Dieu, la plus grosse subvention de l'histoire de la ville de Sorel-Tracy pour un nouveau complexe aquatique. On a construit des écoles à Yamaska, on a rénové nos écoles. 14 millions pour l'école Bernard-Gariépy qui va subir une transformation majeure. On a rénové nos routes. OK, il en reste encore à faire, je suis d'accord. Alors moi, je vous propose qu'on continue pour un autre 4 ans ensemble, assis à la table du gouvernement, là où se prennent des décisions importantes, et je vous promets de continuer à défendre vos intérêts et apporter d'autres gains substantiels pour notre région. Maintenant, je pense que c'est important de prendre un pas de recul et de se rappeler le privilège qu'on a de vivre dans une démocratie comme la nôtre. Alors, maintenant, la balle est dans le camp des électeurs. Allez voter en grand nombre. Bonne soirée, tout le monde. Merci beaucoup, M. Aymon. On écoute maintenant M. Gabriel Arpin. Premièrement, j'aimerais m'adresser à tout le monde. Quand il y a plusieurs personnes qui disent que le Parti québécois est à la croisée des chemins. Moi, je ne pense pas que c'est le Parti québécois qui est à la croisée des chemins. Je pense que c'est le Québec en entier qui est au croisement des chemins. Si on regarde autour de nous, on sort d'une pandémie, l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre. Je pense que c'est important en termes de société en ce moment de se regarder dans le miroir puis de se dire c'est où qu'on s'en va. On s'en va-tu vers la privatisation? On s'en va-tu vers un endroit qui va faire un pas de recul de géant par rapport aux gains qu'on a gagnés dans le passé? Moi, personnellement, c'est pas là que je veux aller. Mais c'est pas à moi de décider ça, c'est à vous. J'entends quand je me promène puis que je rencontre les gens, il y en a plusieurs qui disent « J'ai voté CAQ pour sortir les libéraux, là je vais retourner à mes vieilles amours. » Bien, j'espère d'avoir la chance d'être un candidat assez fort pour vous donner le goût de revenir au PQ. L'histoire de Sorel et des Mercier dans la région s'est bâtie avec des députés péquistes, puis avec un député qu'on a la chance d'avoir au Bloc québécois. La souveraineté, elle marque la région. Puis moi, je veux être le député qui vous permet de dire « Je suis fier de retourner au Parti québécois. » Je sais que les défis sont grands, je sais que l'histoire du parti n'est pas dans son meilleur moment, mais j'espère ce soir avoir gagné votre confiance, parce que j'espère pouvoir vous représenter à l'Assemblée nationale puis diriger le Québec vers une direction dont on va être fier. Puis que pas on regarde, puis je veux pas qu'on regarde le Québec dans 20 ans puis se dire, puis qu'on se dise « Ouais, on aurait peut-être dû faire d'autres choses finalement. » Donc j'espère que je vous ai convaincu ce soir puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, M. Arpin. On écoute maintenant Mme Marie-Ève Dionne. Bonjour. Dans le fond, si je me présente comme candidate, c'est parce que je veux vraiment faire bouger les choses et je pense qu'il y a urgence d'agir. J'ai plus de 10 ans d'expérience en administration et ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de déterminé qui sait gérer des dossiers jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vais enlever les étiquettes et défaire les idées préconçues que les gens peuvent avoir concernant le Parti conservateur du Québec. Si j'ai décidé d'allier ma voix à celle du Parti conservateur, c'est parce que c'est le seul parti qui ose prendre des solutions différentes pour nous propulser vers un avenir meilleur, autant économiquement que personnellement, pour chacun d'entre nous. C'est le seul parti qui propose que ce soit le gouvernement qui se serre la ceinture au lieu des Québécois. On veut que les Québécois aient enfin accès aux soins de santé qu'ils méritent et qu'ils conservent leur pouvoir d'achat. Je veux également parler de liberté. Que les gens disent « liberté » ou « liberté », ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'on ne devrait jamais rire du mot « liberté » qui a une si grande importance dans une démocratie comme la nôtre. C'est également faux de penser que les gens qui adhèrent au parti sont seulement des complotistes ou des édentés. Est-ce que ce sont des gens mécontents du système actuel? Oui, et c'est légitime. Dans toute bonne démocratie, tout le monde a le droit d'être représenté à l'Assemblée nationale. C'est même sain. C'est sain qu'il y ait une opposition à tout gouvernement pour questionner certaines décisions. Car ces 2 dernières années, je trouve que ça a cruellement manqué. Je suis fière de porter les couleurs du Parti conservateur du Québec et de faire partie des 60 000 membres qui, comme moi, ont envie d'idées nouvelles et de sang neuf à l'Assemblée nationale. Le 3 octobre prochain, osez le changement, la jeunesse, les idées nouvelles. Si vous m'en donnez la chance, je ne vous décevrai pas. Je vais être présente, à l'écoute et proactive. Merci.
Merci beaucoup, Mme Dionne. Notre débat est maintenant terminé. On avait reçu des questions du public. Le temps nous a manqué, mais les médias locaux vont se faire un plaisir de les relayer. Donc, d'ici la fin de la campagne, ces questions-là seront adressées, comme prévu, aux différents candidats. Merci aux gens présents dans l'assistance et à ceux qui nous ont écoutés à la maison ou dans leur véhicule. C'est maintenant votre tour d'agir. Allez voter en grand nombre. Le vote par anticipation, c'est dimanche et lundi 25 et 26 septembre de 9h30 à 20h au complexe 180 du 180 rue Victoria. Le vote au bureau du président d'élection au 1350 chemin Saint-Roch les 23 et 24 ainsi que du 27 au 29 septembre et le jour du scrutin évidemment le lundi 3 octobre prochain de 9h30 à 20h. J'espère que cette soirée contribuera à votre réflexion électorale. Continuez de suivre la campagne via les médias locaux et leurs différentes plateformes. Manning Communication, par le biais de son réseau ipix.tv, vous invite à donner votre avis sur la soirée de débat d'aujourd'hui en visitant le ipix.tv/Richelieu 2022. Je m'appelle André Champagne et je vous remercie de votre attention. Je nous souhaite une excellente fin de campagne. Bonne fin de soirée. Bravo. Nous sommes la maison du multimédia, spécialiste de l'électronique et de l'informatique depuis 1963. Une entreprise entièrement sorelloise, reconnue pour la qualité de nos produits, la